Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que un agréable week-end. On se retrouve comme d'habitude à 22h et il y a déjà un peu de monde sur le chat. Salut Historicad, salut Zachary, salut Francky Caddo, salut Mike Kinoki, hello all. Joyeux Pidé, et oui effectivement, nous sommes le... 14 mars, c'est ça, donc 14-03, pardon. Alors vous allez être déçus, hein, j'ai pas prévu d'en parler, mais on va faire des cercles, donc on va utiliser Pi. Bon, allez. Salut JC Gros Pixel, salut Redman, salut Socraft, salut Fluo, sortez vos tartes et vos constantes de la conne. Et non, c'est... Alors le seul truc qui aura un rapport avec un Pi, c'est que... C'est avec du Pi, c'est qu'effectivement, j'ai ma caméra qui est branchée sur un Raspi derrière, mais bon. salut Dexami, salut ShooterDev, salut Nico, salut Super Balou, il y a du monde là. Salut Kamikaze Robotics, salut Fernand, salut Mr. Friday, l'autre Kamikaze Robotics. Salut Manu, salut Fricat France, salut Lekix. Ah, y a du monde, c'est cool. Salut Rapker, salut Manfred, salut Damien. Bon, comment ça va? Comment ça va, mes amis, ce soir? Alors, vous avez vu, ou pas, peut-être, je vous ai fait une petite surprise aujourd'hui, parce que j'avais pas prévu de sortir une petite vidéo sur YouTube. Et puis, ça s'est fait. J'ai une petite vidéo sur la thermoformeuse. On va en reparler, hein, parce que en fait, j'ai fait quelques petites modifs et j'ai voulu filmer ça pour vous ce soir. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, faisons une petite vidéo YouTube. Ça fait toujours plaisir. Merci Ralm pour ton cinquième mois d'abonnement. Ça fait super plaisir. J'ai bientôt fini. Enceinte portable, cool. On a dit Holonom. On a dit Holonom, effectivement, et on va parler Holonom également. Donc, comme d'habitude, et si vous voulez savoir de quoi on parle, si vous voulez suivre les refs, les liens, etc., et ben, ou la commande ref ou la commande contexte pour y aller, nous, on va démarrer tout de suite avec un petit récap. On va parler de cette petite vidéo, merci Rapker, de plein de petits autres trucs, et après, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir, travailler un petit peu sur une évolution potentielle de nos robots pour la Coupe de France de robotique. On en parle tout à l'heure, c'est parti pour le récap. Alors, c'est quoi Holonom? Je vais t'expliquer tout à l'heure. Mais si tu tapes robot Holonom, tu vas voir à peu près à quoi ça peut ressembler, Renman. Déjà, il va apparaître dans un holo, ça serait vraiment... Un Holonom, ça serait vraiment très rigolo. Déjà, petites infos, très rapidement, là. Il y a Frédéric Gué, je vous en ai parlé la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Attendez, je regarde vite fait. Je sais plus, mais je vous en ai parlé déjà de ce monsieur qui a commencé à documenter sa K40, donc sa découpeuse laser K40. Et là, il a fait une documentation assez sympathique de son système pour lever et descendre son plateau. Donc je vous encourage à aller voir ce qu'il a fait et ce qu'il propose aussi, parce qu'il a mis plein d'autres modifications sur sa page, donc ça fait vraiment plaisir. Le deuxième chose, toujours sur la K40, c'est un monsieur qui m'a tagué sur Twitter et qui, suite à mon retour d'expérience sur la vidéo YouTube sur la K40, a fait déjà acheté une K40 et a fait pas mal de modifications. Et il y a des trucs assez intéressants dedans. Alors déjà, il s'est mis en tête de faire toutes les modifications que moi j'avais faites, mais directement en découpeuse laser. Donc du coup, son support de pointeur, il l'a fait avec la découpeuse laser, donc pointeur plus l'assistance d'air. Et c'est vraiment... c'est vraiment pas mal, ça fonctionne super bien. Alors lui, il a pas mis le même système que moi, il a mis un petit compresseur d'aquarium, et ça c'est plutôt cool. Alors attendez, si je déroule un petit peu... Ah oui, fabrication des pieds aimantés pour le plateau, alors c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ouais voilà, c'est ce système là, qui est plutôt rigolo, c'est un genre de cendrier pour récupérer les pièces qui sont découpées au laser en dessous, et pour pouvoir après nettoyer en fait le dessus
de son bureau. Je trouve ça assez rigolo, assez sympa. Alors le seul défaut que je vois à ce petit système, j'en ai parlé avec des gens après, c'est vrai que j'y avais pas pensé, c'est que moi à ce niveau-là sur mon bureau, j'ai déjà eu des marques de brûlé. Donc s'il l'a fait en bois, il y a quand même un risque pour que ça brûle un peu. Donc j'aurais mis quand même un fond en métal sur ce système-là. Mais en tout cas, c'est assez rigolo et je trouve ça assez fort. Et alors l'autre truc que j'ai trouvé vraiment vraiment très cool, c'est un petit, une petite manette, en fait un petit contrôleur pour contrôler le pointeur laser et se mettre, enfin la tête du laser et se mettre au bon endroit. Et comment il a fait ça en fait? Tout simplement, il a émulé un clavier. Voilà, avec un petit Arduino, je crois que c'est un micro. Merci Merguez, merci beaucoup, bienvenue à toi. C'est un anneau qu'il a pris? Je sais plus. Max nous dit un anneau. Il l'a dit hein, quelque part. Un Arduino 32U4. Voilà, j'en sais pas plus pour le coup. T'as pas raté le fromage, Ray. Salut. T'inquiète pas. Et donc du coup, en fait, il va émuler les touches du clavier. En l'occurrence, contrôle plus flèche pour pouvoir bouger la tête. Je trouve ça très très astucieux. Et honnêtement, j'ai bien envie de me faire cette modification sur ma laser. Parce que ça serait beaucoup plus précis pour positionner le pointeur pour le coup. Parce que moi, je le positionne encore à la main. Donc ça, c'est une super idée. Et voilà, donc je pense qui va continuer sans thread, donc n'hésitez pas à y suivre Mathieu Salva, parce qu'il a fait des modifications très très cool. C'est la famille des Leonardo, exactement, Mikinoki. C'est le microcontrôleur qu'il y a sur les Leonardo, ou sur les micros, voilà. Voilà, c'est le microcontrôleur qu'on a là, hein, voilà, sur un micro. L'avantage de ce microcontrôleur-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est que directement, il a l'USB qui est implémenté en hardware. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par un interpréteur USB série, comme avec l'Arduino Uno, qui est basé sur un 328P, par exemple. Là, directement, les broches data de l'USB arrivent directement dans le microcontrôleur. Et ça permet du coup d'émuler un certain nombre de choses. Notamment, il y a une librairie qui s'appelle Keyboard qui peut émuler l'appui sur des touches d'un clavier. Vous avez la même chose par exemple sur les Teensy. Vous pouvez faire exactement la même chose aussi avec un joystick, émuler un joystick, hein, émuler une souris aussi, voilà, avec ce genre de microcontrôleur-là. Ça fonctionne très bien. Et pour tous les autres microcontrôleurs, il y a la lib VUSB, Virtual USB. Que j'ai pas encore trop testé là, il faut que je me penche dessus parce que ça a l'air assez cool. Par contre, le baud rate est un petit peu plus faible pour le coup, et je crois qu'on peut pas tout faire, mais ça marche aussi. Arduino aussi, oui, effectivement, tous ceux qui ont en fait l'USB intégré pour le coup, un peu comme sur la SNC avec le logo. Ouais, c'est ça. Salut Captain Igloo, mais oui, ça faisait longtemps, ça fait plaisir de te revoir. Super. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu les deux petites news que j'ai trouvé ça sympa là, cette semaine. Donc n'hésitez pas, s'il y a des trucs que vous avez vu passer pendant le récap, on pourra regarder ça. Mais ça marche très très bien. Je vais donner un vieux volant pour PC avec un Leonardo. Bah voilà, du coup tu vois, c'est super cool quoi. Là, ça doit être un micro. Ouais, je pense que c'est un micro vu la taille de son truc. Il a dû faire ça, bah voilà, avec ce genre de petite boîte là, de petites bêtes là pour le coup. Salut Ganja, salut Philippe Minerve. Et donc on va passer sur le sujet, premier sujet un peu gros de la soirée, à savoir le retour sur la table de thermoformage, donc pas thermofromage, hein, on est d'accord, toujours la même blague, c'est important de refaire les mêmes blagues. début de semaine, j'ai mis en ligne du coup la rediffusion du live de la semaine dernière où on avait testé un premier proto, plutôt fonctionnel, de cette table d'aspiration, mais où on avait vu qu'il y avait quelques problèmes de chauffe, notamment, on n'arrivait pas à faire des grandes pièces, ou en tout cas des pièces assez hautes, et c'est vrai que la chauffe au pistolet à air chaud, là, c'était pas ouf, c'était pas uniforme, c'était pas suffisant, ça refroidissait vite, bon bref, c'était pas dingue, et je vous avais dit à la fin du live, je vais ressortir mon four, je vais le réparer, et je ferai un essai avec le four, et puis je modifierai 2-3 trucs, comme ça on pourra en reparler la semaine prochaine. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une nouvelle version de la boîte, là, qui est juste là. Et au moment de le tester, je me suis dit, bah, je vais filmer.
tant qu'à faire. Et puis finalement, j'ai filmé tous mes tests. Et puis finalement, j'ai fait une petite vidéo. Donc, petite vidéo qui est dispo sur la chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien. Hop. Je vous ai mis le lien ici. Donc, une petite vidéo projet thermoformage. Donc, c'est la première fois, je pense, que je fais une vidéo de 4 minutes 47 sur la chaîne. Je crois que ça doit être ma vidéo la plus courte, à mon avis. Qui résume un petit peu ce que j'ai fait comme test avec ce petit proto et où est-ce que j'en suis arrivé. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à passer la voir, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que du coup, je ne fais pas que des live Twitch. Il y a une vidéo qui sort, j'essaye une vidéo par mois qui sort sur cette chaîne. On va revoir un petit peu les résultats que j'ai eus et ce que je voudrais améliorer un petit peu par la suite. Mais globalement, mode teaser, là, je suis plutôt très content de mes essais avec le four. Découvrir d'une autre 2 ans après avoir joué. Ah ça c'est dommage. C'est dommage, ouais. Trouve où tes plaques, c'est de la récup. Tu parles des plaques pour faire la découpe laser. Salut Cabri, comment ça va? Et n'hésitez pas à aller suivre Cabri DIY sur Twitch. Qui fait de la réparation, alors de consoles, mais aussi de plein de matériel électronique, qui stream toute la semaine, super cool, super énergie sur les lives de Cabri, donc gros big up, cœur, tout ça. plastique tu as, plus épais, tu avais dit aussi, ouais, alors par contre j'ai regardé le prix des plastiques plus épais, attendez, je vais bouger sur la partie atelier, les plastiques épais, ils coûtent vraiment trop cher pour le coup. Et en vrai, le 300 microns, pour l'instant, vu les tailles de ce que je dois faire, je pense que c'était suffisant. Mais j'ai eu qu'une après-midi pour tester ça, cette semaine. Donc c'était assez court, hein, en fait. Allez, zou, hop, on passe ici. Allez, ça pue. Bah oui, bien sûr que ça pue. Alors, rien, on va faire un petit pour. Pour vous résumer la chose... la semaine dernière, on avait commencé par mouler, ouais, voilà, les crayons qui sont ici. Voilà. Et ça avait plutôt bien fonctionné, mais on avait dû chauffer très longtemps quand même, et je trouvais que le résultat n'était pas non plus folichon, quoi. Ça marchait, mais c'était quand même pas dingue, c'était quand même assez compliqué. Bon, du coup... Ce que j'ai fait, c'est que, je vous rappelle vite fait, on a essayé aussi avec des ciseaux, ça marchait plutôt pas trop mal. Et quand on a essayé avec des pièces relativement hautes, alors que je me trompe pas, ouais, voilà, c'est là où ça avait commencé à être compliqué. Genre ça avait craqué, ça s'était pas aspiré correctement. Alors c'est difficile à voir avec le fond transparent, je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un petit peu le problème. Voilà. Donc ça avait craqué, c'était pas dingue. Pareil sur cette pièce-là qui était un peu moins haute, les résultats n'avaient pas été fous. Et on m'avait dit, effectivement, faut une chauffe uniforme. De toute façon, on avait vu qu'au pistolet, là, c'était juste pas possible. Court mais efficace, merci Flio. Oui, tes plaques PETG. Ah non, mais mes plaques PETG, c'est du 5 mm, mon gars. Donc je peux pas faire ça en plaque de PETG 5 mm. J'ai pas ce qu'il faut du tout, quoi. Mais non, il aurait fallu des plaques plus fines, effectivement. Ami, c'est déjà des gens qui remettent des consoles en état, forcément. Bah oui, bien sûr, Quentin. faut peindre pour mieux voir. Oui, c'est clair, là vous voyez que dalle. Je vais le laisser ici, comme ça. Ah, si je bouge un petit peu avec la lumière, vous voyez. Bon, bref, c'était pas foufou. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, déjà, première chose, je crois que tu pourrais utiliser des bouteilles d'eau minérale, genre en coupant des morceaux. Ah oui, mais il faudrait que je le. Alors, pas toutes les bouteilles d'eau, parce qu'en fait, c'est pas du PETG, toutes les bouteilles. Il y a certaines bouteilles qui sont en PETG. Et après, il faudrait que je sois en mesure de les shredder, effectivement, de faire du pelé, et après de faire des grandes plaques. Alors, j'ai vu ça sur internet, mais c'est quand même pas le truc le plus évident de la Terre, quoi. Alors, juste, vous allez voir que j'ai vraiment gardé le prototype qu'on avait fait la semaine dernière, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore collé, au cas où il faudrait faire des modifs. C'est-à-dire qu'il y a encore le scotch de la semaine dernière, et ça marche, hein. Donc, tant que j'ai pas encore finalisé mon proto, je garde ce truc-là pour pouvoir le démonter plus facilement. À l'intérieur, voilà, il y a cette partie-là
qu'on peut enlever. Donc la partie supérieure là ici qu'on peut enlever, qu'on peut changer pour faire des pièces plus ou moins percées. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, ça va vraiment me permettre de faire beaucoup plus d'essais que ce que je pensais. Merci Ardunix. Il y a plus de trous que sur la première plaque que je n'ai pas gardé. Attends. Voilà, ça c'était la première version, et donc il y a voilà, beaucoup plus de trous, les trous sont un poil plus petits aussi, mais il y en a beaucoup plus, et donc du coup l'aspiration est un peu mieux, enfin, ce que j'ai trouvé c'était vraiment un peu plus sympa. Donc ça je vais le remonter, voilà, et autre petit truc aussi, du coup c'est un peu, il y a une surépaisseur, voilà, par rapport à la semaine dernière où tout était plat. Ce qui fait que le cadre, quand je le pose en fait, la plaque qui est au centre, elle vient vraiment se plaquer dessus. Au final. Donc c'est vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus simple pour faire mon moulage. Il y a un bord, donc ça veut dire que quand je pose le cadre est posé, quoi, il va pas tomber comme la semaine dernière où il fallait que je le maintienne, c'était chiant. Du coup, par rapport à la semaine dernière, j'ai pas reçu les pinces avec lesquelles je voulais faire mes essais, donc du coup, je suis reparti un peu sur une idée un peu similaire que ce qu'on avait fait la semaine dernière. La seule différence, c'est que j'ai pris des vis avec des papillons. Et alors je me suis un peu foiré, on va être honnête, dans les tailles de trous, c'est-à-dire que je pensais faire un truc avec des vis beaucoup plus courtes et avoir suffisamment de latitude pour pouvoir voilà, ouvrir sur les côtés et enlever le cadre intérieur. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai pas laissé suffisamment de latitude et donc du coup, les grandes vis, donc du coup c'est un peu chiant. Mais bon, de toute façon, comme je vous avais dit, c'est pas quelque chose qui va rester comme ça, ce cadre. Je vais en faire une version qui se plie et ça sera beaucoup plus sympa. Ah, tu pourrais utiliser des bouteilles. Ah oui, non, ça c'est. Je pensais juste en découpant dans la longueur, utiliser direct. Ah ouais, carrément. Ah non, je sais pas ça, tiens. Avec des boîtes de l'air d'hammer, il y a des gens qui font du thermoformage. Sérieux? Ah, faut que j'aille voir ça. Ah, c'est drôle ça. Salut Fanlou! Ah, c'est marrant ça, j'ai jamais pensé à directement thermoformer sur le truc. Ouais, j'irai voir, l'air d'hammer. Ok, ça roule. Voilà, donc ça c'est pour les améliorations un peu mécaniques. J'ai rien fait d'autre pour le coup. Et maintenant, les résultats. C'est-à-dire que j'ai d'abord testé donc au four, hein, avec un four, vous irez voir la vidéo. Mon premier essai, c'est que j'ai vraiment pas laissé. J'ai vraiment eu un peu peur en fait du four. Donc je l'ai pas laissé chauffer assez longtemps. Et donc, effectivement, le premier coup, voilà, c'est comme les crêpes. Hein, là, ça avait pas marché. Bon, par contre, une fois que le four était chauffé, là par contre, le rendu il est vraiment mieux. Allez, je pousse ça. Là, le rendu il est vraiment mieux. Hey, merci, Mister Esquera. Ce genre de... Attends. Boîte de l'air d'hammer, thermofromage, c'est ça? C'est ça la blague? Parce qu'en fait, je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est la boîte de l'air d'hammer, donc... je pense que c'est ça. Non, c'était une blague. Oui, oui, voilà. Ok, d'accord. Donc c'était vraiment une blague, ok. Putain, vous commencez fort. Moi, je suis pas prêt. Je suis pas encore chaud, là. ouais, donc du coup, là... Attendez, si je reprends mes premiers essais, là... Regardez, comparez les deux. En vrai, ici, l'aspiration, elle se fait beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir là. Et là, on récupère même carrément l'aspect un peu granuleux qu'on a sur la pince. Je sais pas si vous voyez, ça, c'est difficile à voir. Mais tous les détails, en fait, de la pince, je les ai récupérés, quoi, en fait. Et donc, du coup, là, j'ai fait... Ah ouais, genre, ça marche vraiment bien. Donc, si ça marche bien comme ça, on va essayer... La pièce qui nous avait pris, qui nous avait, comment dire, en fait, pour être clair, un peu fait chier la semaine dernière. Et voilà, tadaan, du premier coup. Alors là, j'étais soufflé, ou aspiré, ça dépend comment vous voyez le truc. Et alors, il y a des plis, hein. Il y a carrément des plis, mais c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Le problème, c'est que je suis parti un peu de travers. Et en plus de ça, les angles sont pas faits pour faire du thermoformage proprement. Par contre, alors c'est pareil, là c'est difficile à voir, mais je récupère les stries d'impression 3D. Et alors là, ça c'est bon ça. Ça veut dire qu'on récupère vraiment du détail dessus. Et alors la petite bulle là au-dessus là,
Ça m'a fait penser qu'il y avait moyen de faire des petites bulles pour pouvoir mettre des boutons, pouvoir mettre des LED ou ce genre de choses-là intégrées dans des systèmes avec juste ça, hop, et pouvoir le mettre à l'intérieur d'une plaque découpée au laser. Enfin, ça donne plein d'idées en fait de réalisation et c'est vraiment plutôt cool. Moi, je me suis fait avoir soufflé au fromage. T'as servi à quelque chose cette thermo ou c'est juste pour les fans d'Infini? Non, non, elle va vraiment me servir. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais en faire une un peu plus grande. Pour pouvoir mouler des pièces pour des petites voitures RC ou pour notamment pour le l'Overcraft, sauf qu'en fait je me rends compte qu'avec en fait il y a beaucoup de zones qui est perdue, tu vois, si tu prends le cadre, le contour, la zone d'aspiration, le fait que tu peux pas mettre ta pièce sur toute la surface d'aspiration, et ben en fait pour mouler mon Overcraft il me faut une machine qui soit à peu près de la taille du bureau, quoi, en fait. Donc je pourrais pas le faire à la découpe laser. Néanmoins, cette gaine-là, je vais m'en servir parce que, comme je vous ai dit, les petites bulles, les petits trucs, hein, les petites aspérités, etc., ça me donne plein d'idées pour faire l'intégration d'objets ou de boutons ou de LED ou de faire un peu de moulage à l'intérieur. Y a plein de petits trucs que je vais pouvoir faire pour chez moi et pour les projets. Vous allez la revoir de toute façon, cette bécane, dans d'autres vidéos, dans les prochaines vidéos, parce que clairement, elle va me servir, quoi. Donc, clairement. Salut Fredo Laredo! Pour des néons, ça doit être top, mais grave, grave, grave. Pour des coques de drone aussi, bah oui, oui, voilà. Pour des petits projets, des petits robots, les petits robots de combat. Alors là, c'est un tout petit peu petit pour des robots de combat, ou alors ça fait deux pièces. Mais à voir, faut essayer, quoi. Faire des pièces de robots chocolat, par exemple, ouais. Par exemple. Ah, le chocolat, c'est le coup classique. Heliox, ça fait ça. On a parlé de Melalcano, qui l'a fait aussi dans sa vidéo. Bon, oui, voilà, on peut le faire avec du chocolat. Maintenant, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. si vous voulez savoir, j'ai d'autres idées en tête vraiment rigolotes avec ce projet-là, quoi. Donc ça, c'est la première grande pièce. Et alors là, j'ai dit, waouh, une grande pièce comme ça, ça marche. Et bah vas-y, on va en faire une en 3D. Et donc j'ai fait un petit... Alors à la base, c'était un petit pot, donc faut le voir dans l'autre sens, hein, comme ça. Donc en essayant d'avoir des arêtes qui n'étaient pas droites, en essayant d'avoir une hauteur aussi qui était beaucoup plus importante, un trou au centre pour pouvoir faire de l'aspiration. Voilà, c'était un petit modèle comme ça, à la va-vite, pour pouvoir tester. Notamment d'ailleurs, je l'ai fait avec mon imprimante qui est encore montée avec la buse de 1 mm, d'où l'aspect un peu crado, mais on s'en fout. Au moins, la pièce, elle est solide. Et donc... J'ai fait quelques essais, et là j'ai fait beaucoup plus d'essais avec en laissant plus ou moins la feuille chauffer, en faisant une belle bulle en dessous, etc., etc. Mais franchement, le résultat est vraiment intéressant. J'ai toujours ces petites zones là sur les côtés, mais comme on parlait avec une personne là sur Twitter qui m'a dit qu'en fait je devrais ajouter une entrée d'air pour pouvoir en fait souffler de l'air pendant que je suis en train de poser la plaque, comme ça j'ai une belle bulle qui se forme, et une fois que j'ai posé, hop, l'aspiration elle se met, et hop, ça aspire. Parce qu'en fait là, ce qui se passe, c'est un peu comme un drapé en fait. Comme vous déposez votre voile sur la pièce, en fait le plastique se déforme sur les côtés, et c'est ça qui fait ses plis en fait. Imaginez-vous un drap en fait que vous posez sur une pièce, et ben fatalement en fait ça va faire des plis, quoi. Donc là on est un peu sur le même principe. Et donc effectivement l'idée ce serait de rajouter une petite prise d'air pour envoyer de l'air comprimé en un petit peu, hop, faire une belle bulle au-dessus le temps que ça pose, et puis une fois que c'est posé, hop, on enlève et puis on passe à l'aspiration. Mais bon, je pense que je suis un peu à la limite de la hauteur que je peux faire avec ces du 300 microns. Après ça devient on sent que c'est un peu fin au centre, hein, quand même, mais ça fonctionne super bien, vous voyez la bulle elle est impeccablement moulé à l'intérieur, là c'est très très bon. J'ai fait quelques autres essais, alors celui-là c'est le premier, je suis complètement parti de travers, et puis bah du coup voilà, il y a ce petit pot, voilà. Tout mignon, bref, c'est plutôt cool. Après, l'imprimante 3D c'est une photocopieuse 3D, quoi. Ouais, c'est un peu de l'entre-deux, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser directement comme ça, ou alors tu peux l'utiliser pour faire un moule. En plus, l'avantage, c'est que c'est vachement léger. Donc faire une pièce comme ça, aussi fine, à l'imprimante 3D, impossible. Enfin, si, possible, mais avec toutes les problématiques que ça peut casser, etc. Puis surtout, tu peux faire des pièces qui sont complètement transparentes. Voilà, mes pièces sont, si je les moule, elles sont complètement transparentes. Ce que tu peux pas faire avec l'imprimante 3D, quoi, pour le coup. En tout cas, pas simplement. Eliox a plutôt essayé. Elle a fait avec du chocolat, effectivement. Salut Forceman. Salut Bobico.
T'as pas eu de problème de déformation du PLA avec la chaleur? Non, pas du tout. En fait, c'est ce que je disais dans le live la semaine dernière. C'est que j'ai été très surpris, c'est que les pièces en PLA n'ont pas du tout chauffé. En fait, quand tu poses le film, en fait, le film est tellement léger, si tu veux, que déjà lui, le temps que je le prenne du four et que je le pose sur la pièce, il y avait déjà, enfin, il avait déjà commencé à se refroidir. Et dès que tu mets l'aspiration, 5 secondes après, le truc est déjà quasiment froid, en fait. Donc la pièce, elle n'a pas le temps de se déformer. C'est vraiment pas suffisant. Et même la semaine dernière, si tu regardes le live, tu vois que je suis en train de... J'ai la pièce qui est dedans et je continue de chauffer sur le côté pour essayer d'améliorer, en fait, la prise. Et en fait, la pièce, elle se déforme pas du tout, quoi. Donc, alors... Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça veut pas dire que vous pouvez faire des pièces imprimées en 3D, genre à 0% avec une coque super fine. Là, clairement, votre pièce, elle va se déformer quand vous allez le mettre. Par contre, avec du 300 microns et avec des pièces comme ça qui sont globalement bien remplies, oui, non, le temps que la chaleur fasse son effet, le moule, il aura déjà refroidi, quoi. Bah ouais, c'est tout mini, hein, Cabri, hein, t'as vu? Non, mais j'ai pas mal d'idées. De ce que j'ai envie de faire. Là, j'ai plutôt envie de faire l'intégration avec de l'électronique à l'intérieur. Faut que je fasse quelques essais. Mais il y a des trucs assez chouettes à faire, à mon avis, pour le coup. Salut Rixan. Donc voilà pour cette table de thermoformage. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, tant que les questions arrivent, moi, la prochaine modification, quand même, c'est de travailler quand même sur ce cadre-là qui est vraiment pas pratique. Donc j'ai quand même envie d'avoir quelque chose qui se referme. J'espère recevoir mes pièces la semaine prochaine pour pouvoir vous présenter ce truc-là et puis pour pouvoir faire une nouvelle version. Après, néanmoins, pour tout le reste, en fait, ça marche étonnamment bien. Hein. C'est vraiment, vraiment cool. Je pense que là, c'est pas le but pour le moment parce que j'ai d'autres projets qui arrivent, notamment la Coupe de France de robotique. Et comme on sait que la Maker Fight est décalée et que je pourrais... très certainement pas la faire, du coup en fait on va passer sur la Coupe de France de robotique maintenant, mais ça, du coup, j'utiliserai cette pièce, cette bécane là pour faire mes petits essais, et j'en referai une, à mon avis, beaucoup plus grande plus tard, parce qu'en fait c'est vraiment vraiment chouette, quoi. Tu as partagé les fichiers? Ah bah écoute, Socraft, elle est carrément partagée, tu vas sur mon GitHub, tu vas sur, là je l'ai mise même dans les liens de ce soir, tu vas dans RefContext, la commande ref, et t'as le lien vers la documentation. Et elle est dans la vidéo YouTube aussi, bref, il y a les fichiers, quoi, il y a aucun problème. Tu as moulin un bol de nouilles pour les plats Si tu voulais faire une coque très solide, tu ferais plusieurs exemplaires identiques pour feuilleter en les collant. Je sais pas si ça marcherait, ça. J'ai bien envie d'essayer, effectivement. Ouais, tu prends plusieurs plaques et tu moules d'un coup avec toutes les plaques. À essayer. Alors, par contre, je me suis fait avoir, hein, parce que la première fois, voilà, je vous ai dit, avec celle-là, j'ai pas laissé suffisamment. Et alors, une fois que le four était chaud, ça mettait, mais on était sur l'ordre de 10-20 secondes de chauffe avant que j'ai une bulle en dessous qui était hyper importante, et il y a 2-3 fois où je me suis fait avoir parce que je réglais ma caméra, et le temps que je règle ma caméra, que je la démarre, il s'était passé une seconde de trop, tout était descendu par gravité et avait touché le fond du four. donc ça va très très vite quand le four est très chaud, voilà, ça va, c'est assez rigolo, c'est assez efficace pour le coup. Salut Rosalinde. Non, ça a été en fait, comme c'était suffisamment chaud et que j'avais protégé le four, et que c'était sur le dessous de la plaque, tu le prends avec les gants et en fait ça s'enlève tout seul, en fait. Alors faut faire attention parce que du coup si ça crame, ça c'est du PVC, hein. Donc si vous faites chauffer du PVC, c'est pour ça qu'on le découpe pas au laser, ça peut être toxique, hein. Donc vous faites ça dans un endroit qui est bien ventilé, bien évidemment, et normalement vous le faites pas, vous êtes pas censé le faire cramer, quoi. Donc le faire chauffer, ça va, le faire cramer, faut faire gaffe, quoi. Donc moi ça a pas senti, ça sentait rien du tout, mais c'est pas parce que ça sent pas que que c'est pas dangereux. Donc on fait toujours attention à ce qu'on utilise. Salut Totof. Salut, salut. Comme pour l'étain, il va falloir faire un ventile pour foie thermoformage. Bah, alors le truc, c'est que le four, moi, je le fermais. Hein. Honnêtement, je laisse jamais le four comme ça ouvert. Mais ouais, je le fermais, puis une fois que t'es dessus, voilà, y a pas de soucis, quoi.
Bah écoutez, voilà, donc si je peux pour la prochaine fois faire un truc qui se ferme, qui se clipse, où j'ai pas besoin de redécouper les plaques, parce que ouais, ça c'était chiant aussi, et ben ça sera pas mal pour le coup. Si ça résiste en plus au four, que je peux le mettre dedans, ben ça sera nickel. On fait des galets. Non, il faudrait que je stream depuis ma cuisine, ce qui m'est impossible pour le coup. Ou alors on fait fondre du chocolat au pistolet thermo avant de le couler dans un moule de pince. Bref. Non, mais c'est, voilà, c'est une belle. Je trouve que c'est assez sympa. Et donc, oui, l'autre truc aussi, c'est de pouvoir mettre un petit aimant sur le cadre et de pouvoir en fait détecter la pose quand on vient poser le cadre avec un petit capteur en dessous. Hop. Ce qui pourrait déclencher du coup l'aspiration et l'aspirateur directement. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas encore trop d'idées là-dessus. Après, je sais pas, j'ai trouvé en fait que même au minimum, l'aspirateur fonctionnait plutôt bien. L'aspiration fonctionnait plutôt bien. Et j'ai un vieux petit aspirateur sur batterie 12 volts de bagnole. Et je me demande si ça suffirait pas. Et si ça suffit, ça pourrait être pas mal d'avoir juste un petit boîtier d'aspiration juste sur le côté, voilà. Et que tout soit intégré dedans, ça serait plutôt cool, quoi. Donc faudrait que j'essaye si c'est suffisant, parce que si c'est suffisant, c'est quand même assez, ça pourrait être assez rigolo de tout intégrer et de plus avoir besoin du gros aspirateur. Je peux pas encore dans la cuisine, il n'y a pas le setup de lampe qui a. Alors si, mais pas ces lampes là. Ça y est, j'ai trouvé, il voulait faire un moule à flamby. Ah oui, punaise, c'est vrai que ça ressemble à un flamby. Et t'as grave raison. T'as grave raison. Pas top l'aspirateur dans le four. Mais non, l'aspirateur il reste. C'est ça je le mets dans le four. Mais tout le système sur le côté, l'aspiration, etc., tout est dans la boîte. Non, Manu, je mets pas le. Je mets pas l'aspirateur dans le four, t'inquiète pas. On est foufou. Mais pas tant que ça. Et du coup, attendez, mais oui, c'est ça, j'ai oublié de vous montrer. Parce que vous étiez tous tristes qu'on n'ait pas utilisé des inserts dans la boîte. Regardez ici. Il y a des inserts. Je les ai collés. Et ça fonctionne pas trop mal, hein, en vrai. J'avais pas d'insert à bois M3. Donc j'ai pris mes inserts à plastique. Le trou découpé à 4,6, donc juste ce qu'il faut pour forcer un petit peu de colle au passage, et puis nickel, donc du coup j'ai des inserts, donc du coup, une fois que ça c'est ça sera complètement fixé, collé, je pourrai toujours démonter et remettre des plateaux différents. Je l'ai mis, ah, je me suis dit je vais le faire, ça me fait marrer. Et les gonfleurs sur batterie, bah il faut que je regarde aussi ça. Parce que j'en ai un de gonfleur et qui est un peu violent. Je peux pas régler la vitesse. Et il faut que je regarde un petit peu ce qui existe. Voilà. Et surtout, quel est de quoi j'ai besoin en fait en termes de pression. C'est ça que je sais pas encore mesurer. Il faudrait que je récupère du matos pour pouvoir faire la mesure, parce que ça pourrait être intéressant de savoir si on peut pas prendre juste du petit matériel, quoi. Ça fait un bail que j'ai pas vu ça. Ça existe encore des flambis, bien sûr. Attends. Avec la petite languette en dessous et tout. On pourrait mouler des inserts. Ah oui. Qu'est-ce que c'est un projet de barreau sans insert? Mais oui, exactement. Effet Venturi avec un tuyau d'eau. Non, par contre, si on veut faire ce qu'on disait avec l'autre copain là sur Twitter, c'est que si jamais on veut faire gonfler la bulle de plastique au-dessus, et ensuite faire un vide d'air, on peut utiliser un compresseur, un système d'effet Venturi, et faire la sélection entre la partie soufflage et la partie aspiration en mode automatique, c'est-à-dire qu'on l'allume, ça souffle, et puis dès que ça pose, hop, ça vient ça vient attirer l'air. Je suis un peu fatigué ce soir. Ça vient aspirer l'air, pardon. Et du coup, ça vient faire le vide, quoi. Donc ça pourrait être un truc dans ce genre-là. Tu veux la pompe Venturi de notre piscine? Ah, mais une pompe Venturi... Attends. On parle d'une pompe à eau, là, ou une pompe à air? Je sais pas si ça marche. Bah si, ça doit marcher de la même manière.
Du coup, je sais pas si c'est les deux systèmes sont vraiment compatibles ou s'il y a des différences. Ah, ça serait intéressant ça. À voir. Si c'est pas moins cher. Enfin bon, bref. Du coup, il y a des idées quoi. Il y a plein de petites idées. Donc, je vous ferai, si j'avance dessus, pareil, je vous ferai des petites vidéos ou des petits retours un petit peu comme ça en live pour vous dire voilà où est-ce que j'en suis et si ça fonctionne, etc. Ça veut dire aussi que ce projet, il va rejoindre aussi le projet plieuse, de thermoplieuse. Et donc, du coup, que ça nous fait une bécane de plus pour pouvoir modéliser des projets. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà les amis. J'ai rien de plus à dire là-dessus. C'est naturel comme les aspirateurs à cendres ne arrêtent pas trop mal pour booster les films. Ah, les aspirateurs à cendres, c'est pas con, ça coûte pas très cher ça. Ah, c'est pas mal ça, Rixen. J'avais pas pensé à cela. Ah ouais, effectivement, ouais. Ok. Alors, je reviens ici. Zoom. Maintenant que cette petite revue est faite sur le thermoformage, vous avez dit ça va aller vite, moi ce que je vous propose c'est de passer du coup à la deuxième partie du live, à savoir le travail sur la Coupe de France de robotique que je vous présente un petit peu ce que j'ai envie de faire, là où on en est, et puis ce qu'on va un petit peu faire ce soir là, pour la fin du live. Vous avez vu, j'ai mis les yeux sur ma... sur ma tasse. Ah, le café était froid. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors. Bientôt à main Ryobi si tu veux tester. Ah, c'est... ah, je sais même pas que Ryobi fait un des aspirateurs à main. Ils font vraiment tout à Ryobi pour le coup. J'ai une tempête de ma boule qui a une tempête de main. C'est la tasse canard. Salut la brache. Alors. Attendez, je vais fermer ça. Zoo, par quoi je... Ouh, ce petit cliquetis de clavier a fait du bien. par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer effectivement par un petit générique, un petit jingle. Et ensuite, ça me laisse le temps de ranger un petit peu. Et merci, Shwishing, merci, bienvenue à toi. Ça me laisse le temps de ranger un petit peu, de ressortir les robots et de vous expliquer ce qu'on va faire après. Et les crayons un petit peu très léger ce soir, les crayons. Mais quand même un petit peu. C'est obligatoire. Merci, Jugmax. je fasse un petit... c'est ça que je devrais faire. Un emoji crayon. Un emoji crayon, un emoji insert. Voilà, faut que je me le rappelle. Faut que je crée ces emojis. Les jingles manqués. Salut, Defaults. Eh ben, c'est parti. Jingle. On passe à la deuxième partie du live. A tout de suite. Retour pour cette deuxième partie du live, c'était pile, j'ai juste pile eu le temps de ramener les robots, c'était impeccable. C'est maintenant le live politique. Ah, non, on n'aura pas de raid d'Etienne ce soir, hein. Voilà, désolé. Vous avez peut-être été regardé, moi j'ai pas été voir, hein, donc on va pas se mettre là-dedans. Ça faisait longtemps, et bah oui, jingle. En plus, grâce à toi, Velleda a vendu plus de talent sur les... Ça serait drôle. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la Coupe de France de robotique. La Coupe de France de robotique, ça approche, ou pas, on n'en sait rien. Voilà, j'ai pas plus d'infos que vous. Normalement, c'est début mai, enfin mi-mai, quoi. Et bon, vu le contexte actuel, je sais pas trop ce qui va se passer par la suite. Néanmoins, il faut quand même qu'on prépare nos robots. Alors, pour ça, on a déjà deux robots qui sont faits, presque. Je vais vous expliquer où on en est et je vais vous expliquer ce qu'on va faire maintenant. Salut, merci Johan, merci, bienvenue à toi dans la commune, ça fait plaisir. Et ben, je pense qu'on va partir sur l'atelier. Je vais vous montrer ça.
C'est le robot qui ramasse les palets. Alors là, cette année, c'était des gobelets. Alors, je vous laisse aller voir sur Ref et Contexte. Il y a Coupe de France de robotique, les liens du live. Il y a le résumé de la compétition de cette année. Je ne vais pas refaire un topo là-dessus. Parce qu'en fait, en vrai, c'est pas trop ce qui nous intéresse, les actions. C'est plutôt la partie déplacement. Merci, Rodkan. Bienvenue à toi. C'est plutôt la partie déplacement des robots et architecture des robots qui va nous intéresser ce soir. Donc, qui est... parallèle aux actions de jeu, mais qui n'est pas forcément très important par rapport au règlement de cette année. Ça se rapproche parce que ça ne recule pas encore. C'est un peu ça, ouais. Mais ça se rapprochera toujours. Non. Allez, c'est parti. J'ai arrêté de dire de la merde. Et oulala, la caméra est beaucoup trop haute. Alors. Ah mais attendez, comment je vais faire? Alors, attendez, on va bouger, robot. Alors, que je vous explique vite fait de là où on en était sur les robots. Alors, ce robot-là, c'est le robot qui est la version de l'année dernière. Voilà. Donc, on a deux robots qui sont censés être similaires, qui sont même censés être pareils. Ce qui n'est pas le cas là aujourd'hui, parce que ça c'est le robot de l'année dernière qui était chez mon collègue qui fait du code, c'est le robot qu'on a depuis 2019 et qu'on avait amélioré, souvenez-vous, il y a un petit moment déjà, il y a quasiment un an, avec des petits bras hop, pour venir choper des systèmes et notamment des gobelets, des bras à ventouse. Et ces robots, voilà, donc ça c'était la première version. Il y a la deuxième version qui était arrivée, qu'on avait commencé à améliorer aussi en live, qui est beaucoup plus compacte, qui se barre en cacahuète, qui est beaucoup plus compacte à l'arrière, avec la nouvelle électronique, avec les nouvelles cartes, etc., le nouveau code, qui est basé un petit peu sur le même principe, mais qui laisse beaucoup plus de place, on va se calmer, qui laisse beaucoup plus de place à l'intérieur pour pouvoir mettre les futurs actionneurs. Actionneurs, pareil si vous vous souvenez, qui sont basés notamment sur ces petites cartouches, pareil qu'on avait fait en live, qui sont des pompes avec des électrovannes et qui viennent se fixer à l'intérieur du robot, voilà. C'est pareil, tout ça c'est pas fini. Voilà, qui viennent se fixer comme ça à l'intérieur. Bon, pourquoi j'ai récupéré les deux robots? Bah, tout simplement parce que il faut que je les mette à jour. Il faut que je fasse passer l'architecture de celui-ci sur celui-ci, pour qu'ils aient tous les deux la même architecture électronique et mécanique à l'arrière. Et il faut que j'intègre les nouveaux actionneurs. Et la balise aussi, le mat balise. Ça, c'était pour le résumé. Donc globalement, en fait, nos robots, c'est pas qu'ils sont finis, mais il y a tous les éléments qui sont là. C'est plutôt deux jours où je vais faire du passe-passe entre les robots, réintégrer tout ça, et on aura deux robots fonctionnels. Ce qui m'intéressait, du coup, aujourd'hui, c'est que ça fait des années. Parce que je vais pas faire tomber un truc. Voilà. Ça fait des années que nos robots sont basés sur la même architecture. Version 2 plus légère. La version 2, elle est pas plus légère, elle a plus d'actionneurs, non, en théorie à la fin. Mais la version 2, elle est beaucoup plus compacte. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à l'arrière, l'électronique prend beaucoup moins de place. J'ai réussi à trouver une astuce pour que, par exemple, la batterie passe plus à travers. Si je regarde là, la batterie, tu vois, elle passe à l'intérieur, dans ce sens-là, du robot. Alors que sur cette version, voilà, ici, je vais vous montrer ça sur le côté, sur cette version, tout passe dans cette languette-là, c'est-à-dire toute l'électronique, et plus la batterie, tout passe à l'intérieur, voilà, la batterie, elle vient se mettre ici. Et donc, là, on est vraiment beaucoup plus optimisé, donc c'est un peu plus intéressant, effectivement, là-dessus. Merci, Redman, bienvenue à toi, et merci d'avoir lâché ton Prime ici, c'est très cool. Ça marche, alors on va tout changer. Alors, non et oui. C'est-à-dire que ça marche. Notre système fonctionne avec des moteurs pas à pas, avec deux roues, voilà, etc. Tout ça, c'est cool. Et en vrai, moi, une fois que j'aurai fini ça, c'est pas que j'aurai plus vraiment de taf, mais après, ça va être beaucoup du code. Et le code, ça va être plutôt avec mes collègues, pour le coup. Donc, moi, ce que j'ai envie de tester... En parallèle des lives, c'est plutôt que de vous faire des lives où on va faire passer l'électronique de l'un à l'autre, voilà, où c'est intéressant, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, au final, ça va être beaucoup de redites et beaucoup de manipulations, donc c'est pas forcément très intéressant. J'ai envie d'étudier avec vous autre chose, à savoir de changer le système de propulsion des robots
pas pour cette année, mais potentiellement pour l'année prochaine. Alors, sur quoi j'ai envie de partir, c'est plus des roues standard avec deux roues pour pouvoir faire la direction, etc., mais des roues holonum. Et alors là, je suis dégoûté parce que j'avais commandé des roues holonum et je devais les recevoir vendredi. Je ne les ai pas reçues, je les reçois demain. Et donc, on les aura pas ce soir en vrai, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais vous faire un petit crowbar de ce que j'ai envie de modéliser et de tester. Si tu te débarrasses du moteur pas à pas, je prends... Ah non, le moteur pas à pas, je garde. Ah oui. Ah oui, mais non, ceux-là, ils sont bien. Ils ont pas de flotte dedans, ils ont pas de boue. Je garde ces moteurs. À la place des moteurs de perceuse, tu amènes des moteurs de tondeuse. Alors, les moteurs de perceuse sont pas sur ceux-là, hein, mais là, on est sur du moteur pas à pas. C'est vrai que je l'ai pas dit. Moteur pas à pas, courroie et roue. Des brushless, non, on garde les moteurs pas à pas. Mais on va faire une traction un petit peu différente de ce que j'ai déjà pu voir. Ça va être un petit... On garde même ces moteurs-là, pour être précis. On va garder ces moteurs-là et ce principe-là. Alors, je vous montre... pour faire plaisir à Ness. Bah déjà, Ness, il était trop content que je lui dise que j'allais passer sur le holonome, tu sais. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble des roues holonome, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, les roues holonome... Ah, zut. Que j'ai commandé, d'ailleurs. Pour être sûr. Voilà, c'est des roues qui sont... Voilà, qui ont cette gueule. Est-ce que je peux ouvrir le... Cliquer pour agrandir. Oh, nickel. Alors, le principe de la roue holonome, c'est que vous avez une roue qui tourne sur un axe. Ah, ça se change pas. Et tous les galets, là, vous voyez ici, sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils roulent librement. Et c'est vrai que je vous ai pas... J'aurais dû aller vous chercher une petite vidéo d'un robot holonome, mais bon, tant pis. Et qu'est-ce que ça permet, en fait, ces roues holonomes, ou roues suédoises, je crois que c'est ça. Je crois qu'on dit aussi des roues suédoises. C'est que ça permet, en fait, à votre robot, s'il y en a, si vous avez 3 roues ou 4 roues, de se déplacer aussi latéralement. Et de pouvoir se déplacer dans toutes les directions sans changer en fait son angle, et de pouvoir aussi avancer tout en tournant sur lui-même par exemple, et donc de toujours s'orienter correctement par rapport en tout cas faire des trajectoires un peu plus optimisées qu'avec un robot avec deux roues, parce que ça évite d'avoir à faire certains créneaux quoi en fait à certains endroits. Donc c'est plutôt cool en JavaScript, non pas en JavaScript, toujours pour faire plaisir, hein. C'est un hand spinner. J'ai les cartons des fois, non ? Oui, ça, c'est possible, ouais, Yohan. C'est possible que ça existe aussi pour des roulettes de cartons, effectivement. Ça, sous le nom de roues suédoises. Ok, d'accord, donc c'est bien des roues suédoises. Alors moi, tu vois, je connaissais Roulum, ou omnidirectionnel, aussi. Vous trouverez ça sous le nom Omniwheels, si vous cherchez en anglais. Des roues Ikea. Trop bien pensé. Alors, du coup... c'est raccord. Avec le stream des roues Ikea. Et alors, je vais essayer quand même de vous montrer une petite vidéo d'un robot. Robot. Oui, c'est vrai que j'ai pas. Voilà, alors ça, c'est d'autres roues. C'est des roues Mécanum, pour le coup. Et alors, du coup, une roue omnidirectionnelle. Bon, par exemple, on va prendre. On va prendre ça. Voilà, le principe, c'est que du coup, vous voyez. Le robot, voilà, il peut se déplacer latéralement, et vous voyez que pour faire cette trajectoire-là, avec deux roues, il aurait été obligé de tourner sur lui-même avant d'avancer, etc., etc. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que il va pouvoir faire des translations, en fait. Et c'est, pour le coup, hyper intéressant pour nous, pour la coupe, et c'est vraiment un truc que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Je sais pas ce que ça va donner en termes de précision, je sais pas ce que ça va donner en termes de simplicité, de mise en œuvre, etc., ou ce que ça va nous apporter. En tout cas, ce que je sais, c'est que tant que je teste pas, je peux pas être sûr que ça peut pas m'intéresser. Deuno additionnel, c'est rigolo. Tu en as sur le robot Pepper, exactement, et je les ai vues, et elles sont assez impressionnantes, les Omni-Wheels du robot Pepper. Pepper Robot... est-ce qu'on va pouvoir... Attends, Pepper, c'est... Ouais, voilà, super, nickel. Voilà, en dessous du robot Pepper, voilà, il a trois roues omnidirectionnelles. Alors, sur le même principe, même si c'est un poil différent quand même. Hein. Mais vous avez les roues qui tournent dans les deux sens, pour le coup. Je sais pas comment ça marche. J'ai pas réussi à trouver exactement une vidéo du fonctionnement juste des roues. Alors, si quelqu'un peut réussir à me trouver ça, je suis très preneur, pour le coup. Attends, on va faire varier les angles des roues. Ouais. Oh là, j'aime bien ça, Julien. C'est étonnamment précis. Ah ouais? Ok, l'imprimante 3D Delta qui se déplace. Du coup, c'est un peu ça, ouais.
Alors, du coup, voilà, alors je vais pas faire un cours sur les roues autonomes, tout simplement parce que je suis pas suffisamment calé là-dedans, j'ai encore des besoins de recherche, etc. Je sais juste qu'il y a deux types, il y a les roues suédoises comme ça, et puis vous avez les mécanomes qui ont des roues droites et des roues, enfin des roues orientées droite, des roues orientées gauche. Ah bah tiens d'ailleurs. Voilà, ça c'est une roue du Pepper. Alors par contre, comment ça marche? Aucune foutue idée. Je suis pas sûr de comment le truc arrive à fonctionner, hein, honnêtement. Ça doit rouler dessus, il doit y avoir des rouleaux au-dessus, je sais pas comment ils font. Des roues loupertu? Non, pas ça. Non, j'ai trompé d'aller dans le livre. Donc vous avez voilà, les mécanomes comme ça qui sont obligatoirement utilisables par 4. Et avec les roues solidoises ou les roues holonomes, là, comme ça, vous pouvez en mettre que 3, ça fonctionne quand même. Et alors de ce que j'ai compris aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un angle constant, enfin le même angle sur les 3 roues. Vous pouvez avoir des angles différents, c'est juste qu'après les calculs sont un petit peu plus compliqués, quoi. Ne pas confondre avec les mécanomes. Ne pas confondre avec les mécanos aussi. Patine pas mal si je me rappelle la discussion avec l'équipe. Bah en vrai voilà, du coup j'en sais rien. J'ai un peu le même retour. En fait voilà, je vais vous expliquer un peu un truc. Les roues holonomes, ça me fait un peu le même effet que quand j'avais commencé à dire j'aimerais bien tester les moteurs pas à pas sur des robots de la Coupe de France de robotique. Et où on m'avait dit non, fais pas ça. Pas dit comme ça, mais en gros c'était non, c'est trop lent, tu perds des pas, c'est pas suffisamment précis, machin, c'est pas rapide, et tout. Ok. Sauf que j'ai testé et en vrai, là où on en est, nous, c'est ultra acceptable même par rapport à du moteur continu, quoi. Donc j'ai un peu ce même, j'ai l'impression ce même esprit, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des difficultés liées à l'utilisation de ces roues, ce qui est logique. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, mais que tout le monde fait un peu la même chose en termes d'archi. Et voilà, du coup j'ai envie de tester un petit truc un peu différent et de voir un peu ce que ça peut donner par rapport à ce qui existe déjà. Le réglage du couple. Ah d'accord, ok. Ah c'est intéressant. Ah oui, pour les moteurs pas à pas, oui. Pour le coup. Oui, carrément. C'est simple ça. Hein, le carton de gauche enfin. C'est bien. Ouais. Et d'éviter tous les glissements. Ouais, bah pour le coup, ouais. Mais des chenilles. Oh non, pas des chenilles, j'aime pas du tout les chenilles. J'aime pas du tout ça. Donc voilà, donc ça me fait un peu l'effet de ça sur les roues. Donc j'ai bien envie d'essayer. Et d'essayer avec plusieurs modifications. Je vais revenir là-dessus. Et je vais vous montrer une machine que je trouve assez rigolote. Je suis clairement pas sûr qu'en termes de CNC ça fonctionne, mais par contre, il y a un truc qui m'a surpris. Voilà. C'est la CNC Goliath. Voilà. C'est une CNC donc sur roue holonome. Attendez, je vais essayer de vous trouver une photo. Voilà, elle est de bonne qualité, ça. Voilà. C'est une CNC avec des roues holonomes. Le concept, c'est que tu la poses où tu veux, et puis du coup, la CNC, elle ferait son truc. Bon, en termes de CNC, il y a plein de questions que je me pose sur l'utilisation de cette bécane. Je suis très surpris par plein de choix. Mais il y a un truc qui m'a un peu fait trigger, c'est que, vous voyez les roues là? Ils en ont mis 3. Ils ont mis 3 rouleaux, et je vois ça assez rarement, de mettre 3 rouleaux comme ça de roues. En général, on reste plutôt sur des roues avec juste 2 rouleaux. Et du coup, je me dis, en fait, ils ont dû choisir. Alors, j'ai pas trouvé de réponse, mais ils ont dû choisir cette solution-là pour maximiser en fait l'adhérence à tous les points en fait de rotation de la roue, de chenille norvégienne. C'est drôle ça. à tous les points de la roue. Et j'ai bien envie de voir si on peut pas faire ça aussi avec ces roues-là. Donc, du coup, d'en mettre 3, de voir ce que ça implique. Est-ce que ça impacte? Et voir si c'est effectivement un peu mieux ou pas. Ouais, plus pour en mettre 4 peut-être. Peut-être. Ça permet d'éviter les zones mortes. Bah oui, c'est ce que je me dis. Et j'ai rarement vu ça. Et j'aimerais bien tester. Donc ça, c'est les premières choses. Tester avec 3 systèmes de galets plutôt qu'avec 2. Voilà.
Ça me permet d'améliorer l'accroche, comme tu dis, Super Balloon. Et je pense qu'effectivement, au niveau des zones mortes, on sera un peu plus efficace. Ça me permet aussi d'utiliser potentiellement à un moment des plus petites roues, parce que là j'ai utilisé des roues de 60 parce que c'est ce qu'on utilise traditionnellement, mais enfin chez nous en tout cas, mais peut-être que on pourra utiliser des plus petites roues. Alors ils n'ont pas toujours été comme ça. Sur les dernières versions si, mais tu vois, sur les premières versions de leur bécane, ils étaient avec deux roues. S'ils sont passés de deux galets à trois, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et j'ai pas encore réussi à trouver l'info, parce que quand tu écoutes, les écoutes parler. Les journalistes ou les trucs qui disent ah mais c'est révolutionnaire, ça bouge pas, ça translate et ça, on s'en fout, on le sait ça. Moi ce que je veux c'est pourquoi il y en a trois. Ça j'en sais rien du tout. Mais disons que 4 galets n'auront plus de galets. Bah justement c'est intéressant de savoir comment est-ce que qu'est-ce que ça peut impacter quoi. J'ai bien envie de tester tout ça quoi pour le coup. J'ai mangé des boulettes au resto après la partie de Saint-Denis comme la sont restées sur la route. Mon dieu, vous êtes parti sur Ikea. C'est quoi c'est... Salut DocTech, c'est une CNC holonome. Alors nous on va pas faire ça aujourd'hui, on veut juste faire un robot holonome, mais je montrerai le système de trois roues holonomiques montées ensemble, là, trois systèmes de galets, et qui me semble intéressant pour mon proto. Et une avec 2x4 roues, presque aucun recouvrement entre les roues, on sent des espèces de cran quand tu passes d'un galet à l'autre. Ah, c'est pour ce qu'ils ont voulu minimiser. Et je pense aussi, hein, je pense aussi pour le coup. Surtout pour une CNC, bah carrément. En fait, le truc sur la leur CNC, ouais, alors, voilà, on fait un petit encart et après je vous fais mes petits crobards de ce que je veux réaliser. Le problème que je trouve sur une CNC comme ça, c'est qu'il faut quand même que ce soit vachement lourd parce que tu vas venir appuyer avec ta fraise, donc tu vas avoir, forcément, tu vas avoir une force qui va avoir tendance à lever ta machine, fatalement. Et du coup, d'arriver à faire ça. Fraiser du bois avec une bécane comme ça, sans se décaler. Alors ils ont un système avec des câbles pour pouvoir se repositionner et pour pouvoir augmenter la précision, mais même sans, je trouve que c'est assez fou quand même. Hein. Honnêtement, j'adorerais pouvoir la tester et la voir fonctionner en vrai, parce que les vidéos c'est bien, c'est beau, mais en vrai, j'aimerais bien voir ce que ça donne, quoi, pour le coup. Parle de poussière qui déglingue l'adhérence, on laisse ça de côté. Bah, il y a ça aussi, Julien. Je sais pas comment ils font avec la poussière. Alors, si. Attends, non, j'ai dit une grosse connerie. Je me suis posé la question. Voilà, c'est celle-là. Reviens. Ici, là, tu vois, t'as un bac transparent. En fait, il y a un aspirateur à poussière sur la nouvelle, où du coup, la poussière est aspirée quand ils font du fraisage. Donc, du coup, t'as un bac et ils aspirent les déchets en même temps qu'ils font le fraisage. Oui, donc ils ont réglé ce problème-là en intégrant l'aspirateur dedans, quoi. Effectivement, je viens d'y penser. Les trois roues, c'est vraiment parce que sinon ça a tendance à vibrer à cause du jeu des galets et l'espèce entre les galets. Ah, ça pourrait expliquer ça aussi, du coup. Ah, bonne... effectivement, Romain, j'ai pas pensé à ça. Ah, bah, du coup, ça me donne vraiment trop envie de tester, en fait. Vous aviez testé, vous, avec 3, Romain ? Tu perces d'avant, mais après, ça coupe latéralement. Bah oui, mais quand même. Ouais, c'est que 1 500 $, ça va. Ça va, pour une CNC. En vrai, pour une, si ça fait le taf, pour une CNC, c'est pas trop mal. Mais bon, pas déconner. Alors, bon, voilà, du coup, vous avez l'idée. Donc, ça, avec des moteurs pas à pas, et on va passer sur les... sur les petits croquis, parce que là j'arrive pas à m'exprimer avec les bras dans le vent là. Il faut que je commence à dessiner des trucs, c'est important. C'est un live réflexion et puis après on passera sur FreeCAD, parce que du coup il faut que je les modélise ces roues pour pouvoir faire mes essais. Et j'ai pas non plus dans FreeCAD mes moteurs pas à pas, et ça c'est chiant ça. Les crayons. Autant de construire une Maslow, ouais, c'est vrai. Non, la Maslow elle coûte quoi, 200 300 balles à fabriquer? Non, c'est pas ça, elle est vraiment pas chère, hein, la Maslow. Hein. Et c'est marrant parce que Malsum arrive au même moment, c'est presque Malso. Maslow, bienvenue à toi. Puis ça prend pas de place, c'est ouf, ouais, c'est clair. C'est une belle bécane, ouais, on est d'accord. Je sais pas si ça marche. Mais en tout cas, elle est belle. Alors, je vous fais la pyramide de Maslow.
Ah, je pense que ça. Je sais pas si c'est vraiment. Ils ont eu l'idée avec ça. Ah. Normalement, vous devez entendre la pluie qui m'a bien embêté, pour pas dire autre chose, pour la dernière vidéo. Parce qu'il pleuvait et quand j'ai enregistré, j'entendais la pluie, c'était un enfer. Et j'ai pas réussi à filtrer ça sur ma vidéo. Alors, actuellement, ce que j'ai en termes de propulsion, là, c'est. Je vais l'effacer juste après parce qu'on n'aura plus besoin. J'ai un moteur NEMA 23. Enfin, j'ai deux moteurs NEMA 23 plutôt. Une pouline. C'est du T5. T5 14 dents de mémoire. Bon, je sais pas si c'est écrit comme ça. Et de l'autre côté, j'ai une roue. Voilà. Avec une autre poulie. Voilà. Ici. Et donc ça c'est sur le côté et sur le dessus du robot. Voilà, ce qu'on a, c'est une archi comme ça, c'est-à-dire qu'on a une tige qui fait tout le long du robot, ce qui permet d'assurer la concentricité de nos deux roues. Voilà. Et du coup, hop, notre courroie qui, oui, c'est ça, qui passe ici, un petit doute. Voilà nos deux courroies avec nos deux moteurs. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce qu'on a aujourd'hui. Un pas avec 3, mais avec des roues et galets fait maison sans jeu, ça fonctionnait pas trop mal. Ah, ok, d'accord. Ah oui, je me souviens que vous aviez fabriqué effectivement vos roues. Je me souviens de ça, ouais. Il y a un petit moment déjà, je crois, non? Parce que ça me parle, mais c'était, j'ai l'impression que c'était assez vieux. Ça, c'est notre système actuel. Bon. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand je vois des robots holonomes, ce qu'ils font, c'est que. Alors, s'ils font des systèmes à trois roues, hein, on va garder avec un système à trois roues uniquement. On va mettre de côté les autres. Donc, ils utilisent des doubles galets. Voilà. Et ils vont mettre en ligne, dans ce sens-là, les moteurs. Voilà. Globalement, c'est quasiment ce qui se passe tout le temps. 2014-2015. Ah oui, effectivement. Donc, tu vois, j'avais dans ma tête que ça a daté un petit peu. Donc ça, c'est l'archi standard qu'on va retrouver un petit peu. Je vais peut-être pas dire de bêtises, mais le plus souvent, en tout cas. C'est ce que je vais voir sur des robots holonomes. Ce qui fait que, en fait, les plateformes holonomiques, souvent, elles sont représentées. C'est vraiment des plateformes qui sont. Voilà, qui sont vraiment plates, quoi. En fait, le principe, c'est d'avoir quelque chose de très plat et puis on positionne des choses au-dessus. Peut-être de 2003. Ah oui, quand même. Et moi, honnêtement, ça me plaît pas parce que. Pour plusieurs raisons. C'est que j'ai envie de garder mes moteurs NEMA 23. Or, mes NEMA 23, ils font 57 mm de côté. Ce qui fait, c'est que si jamais je les mets en ligne, alors déjà, j'ai pas ma réduction que j'ai actuellement, donc ça veut dire que je perds un peu de couple et ça m'embête un petit peu sur ce genre de robot de perdre du couple, mais bon, pourquoi pas. Et ça m'oblige aussi à prendre du coup. Des roues qui sont très grandes, si jamais je veux les mettre comme ça en ligne. Bon. Donc du coup, il y a ça. Et puis aussi, il y a un autre problème, c'est que moi, mes roues, comme c'est fait ici, en fait, elles sont reprises des deux côtés avec des roulements, avec tout ce qu'il faut. Si je fais un système comme ça, c'est-à-dire que je suis quasiment sur moteur, puis arme, puis rien du tout, en fait, derrière, pour reprendre les efforts. Et donc si jamais je commence à avoir. Mais trois roues ici, ça va commencer à faire quelque chose qui, je sais pas comment vous expliquer mon ressenti, mais où si j'ai tout mon poids à cet endroit-là, où je vais avoir quelque chose qui va faire ça quoi, en termes de structure. Et j'aime pas trop. Oui, en plus, oui, alors voilà, exactement, Forceman. J'avais un nom. Plus la roue est grande, plus je vais avoir besoin de couple en plus. Donc c'est vraiment useless pour le coup. Donc, mon idée. C'est de me dire, j'ai besoin
d'avoir le plus de traction possible sur ces roues-là pour éviter justement un glissement ou n'importe quoi. J'ai besoin de garder du couple. J'ai pas envie de les avoir en ligne parce que je veux que toute ma roue elle soit reprise sur des roulements et que ça bouge pas et que j'ai une méca propre à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai envie de faire, sans différentiel, tu perds un rayon de braquage. Non mais t'as pas besoin de différentiel là-dessus. Tes roues en fait sont libres au final. Donc ton différentiel tu le fais avec tes moteurs en fait. Tu pilotes les trois moteurs en même temps. Selon des angles et des vitesses, etc. Et ben Ray, t'as exactement compris. Ce que j'ai envie de tester, c'est moteur au-dessus. Et c'est de faire en fait. L'idée, c'est en mettant les steps sur la description du Goliath. Attends. Non, ton système actuel. Ah non, sur mon système actuel. Ah bah si, le différentiel, c'est. Sans différentiel, tu perds en rayon de braquage. Et en fait, mon rayon, ça n'existe pas en fait sur un robot avec deux roues, c'est-à-dire qu'il peut tourner sur lui-même en fait. Salut Ami Suifre. Alors attendez, effectivement, Henri, le cascadeur, c'est les moteurs au-dessus. Effectivement, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre, si je fais une vue dans le couple, voilà, mon moteur, papa, ici, poulie, courroie, voilà, courroie, boum, et là, mes trois galets ici, roulement des deux côtés, et tout ça sur un axe. Et ça, l'idée, c'est de faire un bloc, comme ça, blam, et après de pouvoir les installer et de pouvoir après gérer en fait l'écartement, l'espacement ici, en fonction de l'enveloppe que j'aurai besoin et qui me restera en fait dans mon règlement de la coupe. Mais dans un premier temps, ce que je voudrais tester, c'est juste ça, pour pouvoir créer une structure très rapidement en triplant ce truc-là. Et du coup, potentiellement, me dire que cette structure-là, je puisse la garder. Et c'est pour ça que je vais garder les mêmes moteurs, que je vais garder les mêmes rapports de réduction, etc. Pour continuer soit à mettre des roues standards, soit à pouvoir mettre des roues holonomes, soit pouvoir mettre des roues mécanomes. Et garder ce système-là pour me dire, bah, je peux changer et modifier en fait la structure de mon robot pour pouvoir tester plusieurs choses. Donc voilà, c'est un peu un truc d'étude que je veux réaliser. Alors, Rixen, la conception des roues à trois modules garantit que deux rouleaux sont toujours en contact avec le panneau. D'accord, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce faisant, le mouvement de Goliath n'est pas affecté par les rainures. Ah, les profils déjà coupés. Parce que ça, c'était une question que je me posais aussi. C'est comment il fait quand il roule sur une rainure. Car au moins, un rouleau est toujours en contact avec le panneau. D'accord, ok. Ah oui, donc effectivement, je comprends. Et ça a du sens. C'est une très bonne idée. Ok, l'axe supporte les deux roues, mais ne les rend pas solidaires. Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui. En fait, là-dessus, les deux roues sont indépendantes. C'est juste l'axe est le même. Les deux roues sont montées sur roulement et elles sont indépendantes. T'as la roue droite et la roue gauche. Dans le temps, la droite et la gauche. Effectivement, compte zéro. Sinon, ça se fait, tu gères comment ce genre de déplacement. Oh bah là, il y a des maths, hein. Je les ai pas encore regardés trop, mais il y a plein de trucs qui existent dessus et qui donnent en fait la vitesse que tu dois appliquer sur tes 4 roues pour avoir tel ou tel déplacement en fait. Tes 3 roues par exemple. Donc voilà quoi. Un bon coup de trigonométrie, voilà, c'est ça, comme dit Amisif, hein. Un bon coup de trigo. Un bon coup de pi, voilà, comme c'est le pilei, tant qu'à faire, voilà. Et ben du coup, un bon coup de sinus, cosinus, tout ça, et tu retrouves tes trucs. Je ferai pas la démonstration de maths parce que je vais me planter, clairement, c'est sûr, ce serait honteux. Je vais plutôt l'étudier, vous en redonner plus d'infos plus tard. Mais moi, pour ma partie, ça sera Mecha Elec pour gérer tout ce bazar. Compte 0 égale nuage de mots. Compte 0 égale nuage de mots. Ah, je ne suis pas sûr. Comme sur une imprimante. Oui, c'est ça, un peu. Quoique, attends. Alors, sur une imprimante Delta, par contre, il gère pas le fait que tu puisses tourner sur toi-même. Il y en a certaines qui le font, je crois, qui arrivent à. Mais t'as ce truc-là en plus, voilà, pour tourner autour. Il y a des gens qui font des imprimantes 3D avec ce système-là, c'est assez cool. Juste la précision de. Pile ma calculatrice. Et un coef, le coef magique, c'est important, exactement, super balou. Bon, du coup,
Il faut qu'on avance un petit peu pour la fin du live là-dessus. J'ai deux choses que je n'ai pas dans FreeCAD, parce que forcément on est repassé sur FreeCAD. La première chose, c'est que je n'ai pas de moteur pas à pas. J'ai pas de modélisé de moteur pas à pas. Donc il va falloir que j'en modélise un. Mais ça sera la deuxième chose. Mais la première chose que j'aimerais bien modéliser, c'est un rouleau. Voilà, ici. Pour pouvoir après faire toute la structure de la roue, en fait, avec le pas, etc. etc. Voilà. GrabCAD est ton ami. Bah ouais, mais le problème, c'est que Julien, GrabCAD, j'ai été regarder, et alors du coup, les modèles que j'ai trouvés, tout était mis ensemble, en fait. Donc ça m'embête un petit peu, parce que moi, ce que je veux, c'est pouvoir du coup le désassembler, pouvoir avoir un module, et pour pouvoir après le multiplier, ou en mettre deux, ou en mettre un, ou en mettre trois, ou en mettre quatre. Enfin voilà, de pouvoir avoir mon propre modèle. Et puis après, ça nous fait un petit entraînement aussi, on va pas se le cacher, sur FreeCAD, donc c'est plutôt cool, quoi. L'import de step pour le moteur, patapa. Patapa. L'import de step, effectivement, pour le moteur, sauf que... alors, si vous me le trouvez, je le veux bien. Après, ce que j'avais envie, c'est de me faire un petit... mais je le ferai pas ce soir. C'est de me faire une petite biblio à moi, de moteur pas à pas, parce que des fois, j'utilise des moteurs que je trouve pas. Notamment celui qu'on a là, je crois que j'avais dû le refaire sous Fusion, parce que je n'avais pas trouvé cette référence exactement. Mais c'est pareil. Oh, mais on va le faire, on va pas pour longtemps, dit-il. Je ne sais toujours pas à quoi il correspond. Ah oui, 0,61. Il y a un PID pour gérer les côtés. Oui, effectivement. Toi, du croquis de la thermoformeuse de 30. Ah, compte zéro. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, cool. Cool. Attends, on a galéré hein, pour se parler sur YouTube, là. C'était difficile. Hein. Pour voir Pepper faire un cercle. Ah. Ah, je sais pas si je peux le montrer. Bon, vas-y, je risque. Je risque. Remonter dans le monde, il y a aussi trois roues dont une non autorisée. Ah oui, non, la troisième roue, attends, elles sont derrière, mais juste pour finir, c'est une roue folle à l'arrière en fait. C'est juste pour supporter le robot. Pierre, fixé. Oh, putain, j'ai pris celui où il n'y avait rien de fixé, c'est bien. Très bonne idée, Adrien. Attends. Tiens, regarde. Hop, voilà. C'est une roue folle. Il y a deux roues, ou folle. Il pèse un peu ces roues. Ces roues. Alors. À 40. Attends, tu m'as dit quoi? À 40 secondes? 40 secondes. Ouais, voilà. Donc les déplacements holonomiques, on va avoir un truc qui va ressembler à ça. Ça serait bien. Déjà, on va faire la roue. Ce sera déjà pas mal. Même c'est une bille porteuse, ta troisième roue. Une bille porteuse, effectivement. Avec une bille folle, bon. c'est pas très 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 beau. Alors, bah écoutez, c'est parti. C'est quoi la rêve de ton stepper? Eh ben, regardez. Ce qui est bien, c'est que j'ai tout mis dedans. Monteur. Ah, c'est très drôle ça. Par contre, je me suis planté. Attendez, je vais changer. Alors, à moins que ça ait, qu'il y ait quelqu'un qui l'ait rajouté, hein, mais c'est un 23HS16. Oh, Yorzian qui arrive. Bienvenue, Yorzian, avec un... Oh, pff, 114 personnes. Mon Dieu, 124, en fait. Oh là là, bah, bienvenue à tout le monde. Bienvenue au Raider. Comment ça s'est passé? Vous étiez avec Yorzian. Et à mon avis, j'ai vu vite fait le titre... du live, ça a un peu parlé d'OVH. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que ça a un peu parlé d'OVH. Merci Bugbuzzy, bonsoir à tous et à tous pour vous rappeler de faire des backups. Ouais, voilà. j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est dans l'actualité, dis donc. Ah, ça fait plaisir. Bon, comment ça s'est passé ce live? Est-ce que ça a été... Est-ce que vous avez fait vos backups? C'est important. Merci Chubby 1979. On avait fait une soirée barbecue. C'est...
Remercie Sniperovitch. Oh là, il y a du monde là. Ah, attendez. Merci Memento Mori. Merci Soliman Lady. Merci DocTech. Merci Tuffpi. Bonsoir à toutes et à tous. Oh, tu l'as trouvé? Il y a la bonne taille dans le lot. Ah bah super. Du coup, comme ça, j'aurais pas besoin de le refaire. Merci Julien. Je vais le mettre de côté. Je vais voir s'il s'intègre bien dans... Oh là là, dis donc, il y a du monde, hein, il y a du monde. Merci Funstick, merci Barbara Romain. Ah, c'est... ah non, Romain, parce que du coup j'ai lu le truc direct. Merci Toto Cool. Oh là là là. Salut Binaris. Salut Jax. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je vous explique vite fait. Pour ceux qui arrivent, on a fait un petit retour. Attendez, ouais, on va aller là. On a fait un petit retour tout à l'heure sur la thermoformeuse. Je vais pas revenir dessus, mais ça nous a permis de thermoformer des pièces en plastique qui ont été imprimées en 3D. Et là, aujourd'hui, on est en train de voir pour faire la V2 de ces robots qui utilisent deux roues pour pouvoir se propulser. Et là, on va plutôt utiliser des roues holonum. Hop. On va modéliser ce soir roues holonum qui ressemble à ces petites roues-là, voilà. Ces galets-là, techniquement, ce qu'on va modéliser, c'est cette roue-là. Et ce qui va nous permettre à notre robot de pouvoir se déplacer latéralement. Et c'est une technique que j'ai jamais utilisée. Et donc, du coup, on va passer sur FreeCAD pour faire la modélisation de ces roues. Et puis ensuite, pouvoir faire la modélisation de tout notre système. Remercie Binaris. Alors, du coup, il y a plein de gens que j'ai pas remerciés, là. Merci Chrisef, bienvenue à toi aussi. Alors, attendez. Ah, j'en ai perdu... Ah non, ça va, j'avais pris un peu d'avance, du coup. C'est le convecteur temporel sur l'ardoise. Ah oui, c'est vrai, tiens, dis donc, voilà. C'est un peu... T'as envie de dire... Pour ceux qui l'auront... J'étais sur la cuvette des chiottes, je suis tombé, et au réveil, j'avais dessiné ça. Bref. Donc, ben voilà, donc... Vous avez un petit résumé du système. On va faire la modélisation. On va lancer FreeCAD. Allez, c'est parti. Voilà, je vais essayer de me concentrer. Donc ça, c'est le projet de table. On l'a déjà enregistré. Pas de souci. On va créer une nouvelle forme. On va mettre les plans de notre roue sur le côté. Alors, ouais, c'est celle-là. Très bien. Les roulettes sont à 90 degrés. Non, du coup, elles seront à 120, pour le coup. Il y en aura 3. Ça marche pas, ça roule. Merci, Toto Cool. Ah, tu m'as trouvé aussi la roue, Super Balou. Ouais. Elle est vraiment bonne. Parce que là, je vois que ça... J'ai l'impression que ça bouge entre les deux. On va la télécharger, on va voir ce que ça donne. Ah, punaise. Attendez, faut que je me connecte. On va aller voir ça. Les petites roues sont à 90 degrés de l'axe. Ah oui. Ok, j'ai compris. Alors, du coup, si je recharge, que je vais chercher. Ah, super. On va aller, hop, on va mettre violemment sur le bureau pour l'instant. On va essayer d'ouvrir le step là, avec FreeCAD pour voir ce que ça donne. Ouvrir, bureau, step, boum. Alors, est-ce que cette roue, alors déjà ça s'ouvre, c'est pas mal. Est-ce que cette roue holonome est propre? Alors, oh, écoutez, ça a l'air pas trop mal, on va la vérifier. Parce que si on a ça et qu'on peut séparer les pièces, et ça a l'air pas trop mal. Ah mais non, ça va pas du tout. Là, le galet, il touche pas. Elle est pas bonne, celle-là. Là, la roue, elle roule sur la partie métallique. Attends, tu m'en as envoyé une autre? Non, c'est la même. Ah bah non, regarde. Donc ce soir, on t'informe pas de boobs. Hein. Pas pour des roues alors. Non. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a.
Real Sexy Cyborg qui a créé, qui a testé une thermoformeuse. C'était la semaine de la thermoformeuse. Et donc forcément, c'est Naomi Wu. Donc forcément, elle a voulu faire un moulage de ses boobs. Voilà, je veux dire, c'est obligatoire. C'est Naomi, on peut pas faire autrement, quoi. Ça frotte là, ouais, ça frotte un peu. Je sais pas ce que le mec a fait. Il s'est planté là. Ouais, regardez, alors c'est centré, mais je pense que son axe est mauvais. Bon, bah, c'est pas grave, au moins on a regardé. Mais tu sais quoi, on va la garder cette roue de côté si on a un doute. Et je vais juste aller choper le plan, parce qu'en fait le plan, du coup, je l'ai de la roue. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont mis quelque part. Fiche technique, yes. Nickel, je vais la mettre sur le côté. Voilà. Donc voilà, donc, on a notre plan qui est dans le mauvais sens. Merci de me l'orienter correctement. Voilà, nickel, comme ça je l'ai sur le côté. Et puis bah, on va se lancer. Hein. Donc je pense qu'on va d'abord modéliser la plaquette qui est le support des roues. Et on va juste modéliser ça. Puis ensuite on fera un galet qu'on fera tourner et on sera parfait. Il y a des trucs intéressants là sur comment est-ce qu'on peut le modéliser proprement. C'est assez rigolo. C'est pareil sur GradFS, c'est pas un problème d'import sur F. Ah d'accord, ok. Ouais, vous voyez, j'avais dit hein, en ouvrant le truc GrabCAD, j'ai fait oh là, il y a l'air d'avoir un petit souci, mais bon. Ouais, ouais, elle avait des problèmes de chauffe effectivement. C'est qui Naomi machin? Bah tu tapes Naomi Wu et tu vas voir. C'est incroyable. Salut Kant Zero, bonne soirée à toi. T'es pas prêt? C'est sûr. Vérifie celle-là. Ah, attends, on va l'ouvrir. Ah, celle-là, elle me semble beaucoup mieux. Ah, là, ça fait plaisir. Là, ça a l'air pas mal. Est-ce qu'il y a un step? Ah, putain. Non, c'est du SolidWorks. Ah, c'est du SolidWorks. Donc, c'est mort. J'aime bien les gens qui partagent un format propriétaire. C'est très bien, les gars. En tout sur GrabCAD, bon. Ah, merde. Bon, bah, tant pis. TapMaker est mort. Oh, salut, Hippo. J'avais pas vu que t'étais là. Elle est très douée, on est d'accord. Ouais, non, mais moi, j'aime beaucoup Naomi. Veux-tu que je la passe en step? Tour sous fusion pour le STL. Ah ouais, non, mais pas un import STL. Non, mais oh, allez, vous voulez pas qu'on se la fasse? On va se la faire. On a pas pour longtemps, là. Dixit, le gars qui a dit ça et qui a mis une heure parce qu'il s'était planté sur... sur... Je vais pas tenir compte. Sur ses côtes. Allez, vas-y, on le tente si jamais c'est chiant. Voilà, alors... Comment il est fait notre truc là? C'est bien, ça fait de l'étude de plan. C'est intéressant aussi. Est-ce qu'il y a toutes les codes déjà, tu vois? Même pas sûr. On a la roulette à 60. Par contre, le galet ici, on sait pas à combien il est. Ça c'est 48. Ouais, déjà, on démarre, il nous manque des trucs. Genre de roue, que penses-tu des Omni Wheel? Oh, bah c'est ça! En fait, c'est des Omni Wheel, DocTech. Ah, tu viens d'arriver, ok, d'accord. Il te manque des infos, ouais. Il me manque des infos, ouais. J'avais pas vu. Bah non, il y a. Ness, il m'a donné des infos. Mais il y en a une. Il y a un truc qui me manque. Ah, attendez. Non, c'est bon. Le 18.5, on l'a. On a... Il nous manque quelques infos, mais c'est pas très grave en soi. J'aimerais le diamètre ici. Le diamètre au niveau de la pièce en métal, là. En fait, le diamètre extérieur de la pièce, quoi. Si jamais je fais la pièce intérieure, j'ai ce diamètre-là, j'ai le diamètre intérieur, et j'ai pas ce diamètre-là. Alors, c'est dommage, parce qu'on va commencer par ça. Et Alex qui a ses roues va pouvoir nous sauver. Alors si 12
Hop. Alors, à l'intérieur, on est du 12. On doit avoir un truc du genre, ça doit être du 58 ou quelque chose comme ça. Je vais le garder le 58. Et on va continuer le temps que tu fasses les... Tu nous trouves cette cote-là et ça devrait pas trop poser de problème. Alors, pour l'instant, on va garder ça. Attendez, on va pas refaire la même bêtise. Vous voyez, j'ai refait la même bêtise que la semaine dernière. On va pas utiliser ces cotes. Bah non, si, c'est bon. Non, j'ai rien dit alors. Parce que j'ai cru que j'avais utilisé les mauvaises cotes, comme d'habitude. Et en fait, c'était bon. Alors là, maintenant, il faut qu'on extrait notre pièce. C'est pareil, l'épaisseur, je ne l'ai... faut que je la retrouve. On va la mettre symétrique au plan pour l'instant. On va pas s'en occuper, on va laisser... On va se mettre sur du 5. Voilà. Et on la changera par la suite. On va revenir après sur le plan. Et maintenant que j'ai fait la pièce support, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la matière au niveau de nos galets. Donc je vais enlever cette partie-là. 57 de diamètre alu. Ah, bah j'étais pas loin. Nickel. On va changer alors. 57, nickel. Et l'épaisseur, tu as mon fichier en Discord. Ah, nickel. Oh, magnifique. Ah oui, mais attends, c'est quoi comme fichier? Ah, c'est le step. Il est séparé? Ah, attends, si on sent, on va gagner max de temps. Ouvrir. Comment il est celui-là? Ah, oh. Bah écoute, il m'a l'air très propre. Spacer. Alors attendez, reviens ici toi. Mais ah oui, moi on sélectionne le premier. Eh ben nickel ça. Nickel tout plein. En vrai. Mais du coup, est-ce qu'on peut pas... Alors du coup, ça, j'en ai plus besoin. Est-ce qu'on peut pas se dire que le spacer, là, on en rajoute un, on rajoute une roue, et on a terminé avec nos trois roues? Ce serait pas mal, ça. Attendez, on va essayer. On va créer un fichier lié, on va le mettre dedans, on va le déplacer. Alors, hop, voilà. Tiens, je vais peut-être faire l'affichage plan de coupe. Coup suivant X, nickel. Alors par contre, j'ai fait un décalage très très rapide. On va reprendre mon spacer là. 11,5. Ah, alors là par contre, je vais passer. Ah oui, c'est 25. Je suis sur du 2,5, pardon, je me suis trompé. Tiens, pourquoi il me... Il me le prend pas? Ah non, attendez. 12,25. Non, bah non, c'était ça, c'était 12,5. Non, c'est juste que je me suis planté tout à l'heure. Ah non. Attends, ta pièce, elle fait bien 1. Ouais, 12,5. Ok. Et normalement celle-là, je dois faire un décalage. Je vais la dupliquer aussi. On va la remettre dedans. Salut Cabri, bonne soirée à toi. On va la mettre dedans. On va la transformer aussi. Et alors là par contre, le truc c'est que je sais pas exactement de combien je dois me déplacer. J'ai pas envie de... Ou alors on l'assemble. J'ai envie de l'assembler parce que c'est du fixe, donc en fait je m'en fous un peu. Elle fait combien la roue d'épaisseur? 10 10. Normalement je dois avancer de... Attendez, 10 plus 10,
normalement. 5. Normalement, je dois avancer de 22,5, je dois tomber bon. Hein. Ça, c'est marrant, ça. C'est pas la distance entre les deux plateaux. Eh ben, non. Normalement, c'est 10 avec le comment le, l'entretoise, elle fait 10. 24,4. Ah oui. D'accord, ok. Ah, merci. C'est vrai que sans avoir le... ouais, mais alors par contre, attends, je vais faire une connerie. Ah, mais je suis bête! Eh oui, je suis centré là! Attendez. Je fais n'importe quoi. 24-4. Ouais, ok, nickel. Voilà. Et j'ai ce truc là qui est décalé là. Je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est juste mon 11,5 qui est pas bon. C'est très étrange, normalement. À 12,2. Ah, c'est 12,2. Parce que l'intérieur. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord, c'est bon. Je l'ai. Oh là là, j'avais très mal lu le plan. Ok. Là, on est bon, là. Là, on est très bon. Et par contre, comment je désactive ma vue de coupe qui s'est barrée? Ah, ça, c'est très drôle. Je ne sais pas comment je désactive ma vue de coupe. Plan de coupe. Pourquoi il s'affiche pas mon plan de coupe? Eh hey. Ah, découpage, c'est ça? Ouais, ouais, ok. Merci! Fermé. Ok, super. Merci, Loxlayer. Eh ben voilà! Waouh, comment on a gagné du temps là! Merci beaucoup, Nesnes. Et merci, Super Balou, du coup, ça fait super plaisir. Alors, je vais le sauvegarder. On va t'appeler ça OmniWheel. Hop. Je revérifierai quand même que je me suis pas merdé sur les distances et tout. Mais du coup là on a une super base quoi. Donc ça veut dire que maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir intégrer à la fois les deux roulements à palier plus la partie poulie qu'on va modéliser et ça va être super bon. Ben merci Luxlayer, ça fait plaisir. Sur la CNC avec trois roues, elles sont décalées de 120 degrés. Oui, exactement. Du coup, ton entretoise n'est pas OK. Bah alors, c'est là où... Parce que moi, j'ai des trous qui sont déjà faits, pour le coup. Merci, Luxlayer, d'avoir lâché ton Prime. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Oh, vous savez ce qu'on va faire? Je pense que je sais. Faut que je vois, parce que là en fait le problème, effectivement, vous avez raison, c'est que les galets en fait ils font une succession quoi en fait. Sauf que là ici quand je suis au milieu, il y a qu'un seul galet qui est en contact. Le lien vers la, alors Ismaël, tu tapes Goliath, j'ai pas de lien en fait, Goliath CNC, je te l'ai mis dans le chat. Tu ne mets que deux vis par galet, c'est ok comme ça. Mais que deux vis par galet, c'est ok comme ça. Alors, attendez. Vous me dites. Parce que là... Donc ça veut dire que je décale de combien? Faut quand même que je tombe dedans, quoi. Là, tu vois, si je tombe là... Ah, là, ça passe. Et... Ok. Oh, putain, si ça passe sans modification, on est les rois du pétrole. Non. Non plus. Attendez, je crois que... Ah ! Je crois que c'est bon là.
Non, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein. Il y a toujours deux galets en contact. Ah oui, mais alors par contre. Alors, ok. Ok. Reprenons. C'est bon. Ouais, j'y trouve ça. C'est. Vous savez, hein, mon cerveau en live, c'est toujours un peu difficile de tout gérer. Mais du coup, effectivement, Citrou, ça devait pouvoir fonctionner. Effectivement, vous avez raison. Mais que devise, tu passes un décalage de 120 degrés. Ouais, mais là, ça court. Là, c'est bon, là. Le problème, c'est qu'en fait, les galets, ils se retrouvent en contact. Vous voyez ça? Forcément, parce qu'en fait, la roue, elle est pensée pour être la plus compacte possible, et donc, du coup, d'avoir les galets au centre. Mais c'est pas grave. Ces spacers-là. Là, ils sont vendus comme ça, mais rien ne m'empêche moi de les refaire en 3D avec l'espacement que je veux. Donc, ça veut dire juste que celle-ci, je la garde, et celle-là, je vais mettre, voilà, je vais tabler de moins 13, et l'autre, je vais la décaler de 13,4 pour une raison qui m'est inconnue. Alors ça, Bram, c'est quand même assez surprenant. Et là, du coup, j'élargis les spacers. Ouais, effectivement, c'est du plastique. Je peux même le faire à la découpeuse laser si je veux, quoi. Attendez, parce que moi, y a un truc qui m'embête un peu. C'est, est-ce que je peux avoir... Montrer les éléments cachés. Non, il y a tout, quoi. Il est où, mon centre? Il est bien... Ah non, attendez, le centre est pas au centre de la pièce là? Genre mon half wheel. Ah, mais mon half wheel il est à 0,2. Mais c'est pour ça que je suis tout décalé depuis tout à l'heure, je comprends rien. Ok! Donc là, à 100. Non. À 13. Là, à moins 13. Et là, normalement, c'est bon. Ça donnerait quoi de mettre ces roues sur un skateboard? Alors, celle-là, je sais pas, mais regarde. C'est. Comment il s'appelle? Ça, c'est une chaîne de skateboard qui fait. You make it, we skate it. Tu tapes. You make it, we skate it. Et tu dois pouvoir trouver une des dernières vidéos où ils ont fait un skate avec ça. Comment il s'appelle? Attendez. C'est quoi déjà comme... Ah, c'est Braille. Alors, attendez. Braille skateboard. Voilà, c'est ça. Vidéo. Et je pense que ça... J'ai vu cette vidéo-là il n'y a pas longtemps. Regarde dedans, ils ont dû tester. Ils ont dû tester. Braille skateboard. Voilà. Voilà. il me semble qu'ils l'ont fait. Hein. Salut Cador. Sinon, en intéressant l'angle de la roue de droite et celle du centre. Bah, ce serait pareil, non? Non, mais là, on est bon. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas le même écartement des deux côtés? Il y a un truc qui me. Y a un truc qui me va pas là. Ou alors. Et j'ai l'impression que celle-ci est plus proche que l'autre. Attendez, on va dégager les spacers. Et on va essayer de mesurer ça. Alors je sais jamais ce que je dois utiliser pour mesurer dans. Parce que c'est vrai que. Je sais plus si avec qui j'en avais parlé, mais les outils de mesure dans FreeCAD, c'est pas encore ça. Là, j'ai 26. Ah, c'est mieux là. Attendez. Mais... 23,2. Mais c'est ça en fait le truc. Pourquoi j'ai 23,2? Il y a une position chelou quand même.
Décalage d'angle a l'air différent, bah oui. Ouais, excuse-moi, Frickan. Ah oui, il y a dans Assembly 4, effectivement, il y a les outils de mesure. Mais c'est celle-là, en fait. C'est ces outils-là. C'est exactement les mêmes. Est-ce que je peux mesurer depuis le centre? C'est dommage. Genre là, au centre, je peux pas faire. Ah merde! Ah, c'est dommage ça. Comment est-ce que je peux mesurer au centre? La roue du centre semble pas au bon angle. Bah ouais, je crois, hein. Mais j'ai l'impression qu'elle est même pas centrée en fait. C'est étrange. Il a rajouté des outils de snap pour justement faire rayon centre. Ah, ok, d'accord. Eh ben, go alors. Go Assembly 4. Est-ce que je l'ai? Pas sûr. Si, il est installé. Il est juste pas montré. Atelier Assembly 4. Ok, j'ai rarement été dedans. On va aller voir ça. Alors, à quel endroit? C'est là-dedans? Oh, mais c'est trop bien. Ok, mesurer de distance à distance. Bon. Super. Alors du coup, là, si j'affiche ce modèle-là. Donc si je prends de là à là, il va me faire une dimension 10,2. Ok. Très bien. Si je fais OK, il me la montre. Très bien. Et il la garde? Il peut toujours me l'afficher? Pas si c'est ça, c'est trop bien. Donc on va faire l'autre aussi de côté. Voilà. Là. Ah oui, non. Ah oui, merde. Non. Bah alors, 10-20, 10-20 des deux côtés. Bon, bah je sais pas. Alors, c'est très étrange. Tu as changé de version de Frickan? Non, je suis toujours sur la version de Real Thunder. Bah écoutez, je vais garder ça comme ça. De toute façon, faudra que j'essaye en vrai pour voir ce que ça donne. Mais oui, vous avez raison. Comme s'il y avait un problème entre les deux. Il y avait un angle qui était pas bon, quoi. Le moyeu est symétrique, normalement. Normalement. C'est étrange. Bon, écoutez, je pense qu'on se prend la tête ce soir là pour pas grand chose. Enfin, pour pas grand chose, si, quand même, mais en même temps, il y a 5 galets et 6 trous. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Décale la roue gauche d'un cran. Attends. Ça fait pas le même angle. Ouais, vous avez raison. On a bien 6 trous, mais comme on n'a pas le même nombre de galets, en fait, c'est cette roue là qui est mal orientée. Celle-là, elle est bien. On est bien au centre, on tape bien au centre, a priori. Ouais, c'est ça. Et c'est celle-là qui est pas bonne. On devrait être sur quelque chose comme ça, mais c'est pas bon ça. Ah, mais le problème c'est que là, avec la largeur des galets, je m'en sors pas. Forcément. Je tombe mal. À chaque fois. Donc je pense qu'il y a pas, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse un. Faut que je fasse des entretoises entre les deux, avec des roues, des crans qui sont bien orientés, et dans lequel je vais venir mettre des inserts des deux côtés, et puis je vais les visser au fur et à mesure comme ça, quoi. Un trou par. Ah oui. Le spacer avec un serre pour faire la modif, ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Effectivement. Parce que là. Ah bah là, attends. Là, c'est pas mal, là. Attendez. Là, c'est bien, là. Qu'est-ce que ça dit, là? Là, c'est très bien.
Ça me semble complètement légitime, là. Ah merci Cador, je connaissais pas. J'ai regardé. Les trous sont alignés, bah oui, les trous sont alignés. Bon. On testera comme ça. Du coup. Écoutez, si c'est aligné, c'est bon. Hein. Ah oui, c'est beau, ouais. non mais c'est... Bah déjà ça pète le cerveau hein, de regarder la roue comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ok. Hein. J'ai l'impression que tout tombe bien. Touche plus à rien. Ouais, hop, contrôle S. C'est bon. Donc ça c'est notre Omni-Wheel. Sauvegarde. Ouais, grave, grave. Par contre, il n'y a pas les spacers encore, mais bon, les spacers, faudra les refaire plus tard. Merci, Emeline, en fait. Merci, Emeline. Merci, bienvenue à toi. On dirait un triple embrayage. Comme jeu de mes cœurs aussi. Ah, remets les spacers. Je peux remettre les spacers, mais en fait, le truc, c'est que les spacers, ils sont pas à la bonne, à la bonne dimension. Il manque un chouille. Mais remarquez... Non, il manque vraiment beaucoup. Bon, les spacers, je les referai en fonction. Je ferai mes essais demain, du coup. Là, je suis sûr que Alex, il est en train de faire des essais aussi avec ses roues. Je suis sûr et certain. Si je vais sur le Discord, ouais, il y a. Attendez. Ah, pas sûr. Pas sûr en fait. Ah j'en étais sûr, il le fait quand même, il le fait. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va passer sur... Je vais refaire un petit dessin là, parce que du coup, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Hop. J'ai l'impression d'avoir roulé sur quelque chose. Ça crépite, bah oui. Non, pas touché, il a tout... Mais il avait pas des roues en plus alors, ça on vire. Bon, on vire tout. Voilà. Le son crunch soudainement. Ah. Ah bon? Vous avez un problème là? Est-ce que c'est bon? Vous me dites si c'est bon, si c'est pas bon, s'il faut que je change. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Ouais, quand je l'ai bougé, j'ai dû bouger le câble. Désolé, ouais. Ok. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors, comment on va faire ça? Là, je vais juste faire les platines. Hein. Donc là, j'ai une platine. Deux platines. Trois platines. Entre les deux, j'ai les spacers qui rentrent un peu dans les platines. Hein. Il y a des lamages. Voilà, ils sont pas égaux. Tant pis. Palpatine. Oh mon dieu. Bien joué. Plus de pouvoir. Et donc, ce qu'on veut faire, nous. C'est mettre ces roulements là. Alors, où sont-ils? Est-ce que j'en ai encore en fait? Ah yes, j'en ai encore. J'en ai un. Oh merde. Bon bah, ça va être compliqué. J'ai googlé la blague pour con. Alors souvent on met des roulements standards, les 608 ZZ là, comme ça. Soit je voulais mettre des F. Attendez, je dis pas de bêtises. F628ZZ, donc avec un petit épaulement. C'est ceux qu'on a utilisé notamment dans les robots de combat. Mais en vrai, comme ça va être de l'impression 3D, je me dis que je peux mettre directement des 608. Merci Dave Mauman. Avec 7 au moins. Ah bah oui, au moins. Le truc, c'est que. Si je ressors le plan,
Attends, un 608, c'est 22 mm. Oui, c'est ça. 22 mm de diamètre extérieur. Là, ça fait 28. Et ça, c'est un tout petit peu plus grand. Ok, et ça. 27, ok. Oula, le son va se cruncher encore un peu, désolé. DZ, c'est quand ça chauffe. Roulement full céramique. À l'intérieur, j'ai l'entretoise, là, elle fait 28 mm de diamètre. Le plus grand déroulement, là, le 628, il fait 27 mm de diamètre. Donc je vais être emmerdé avec les vis. Comment je vais faire ça? C'est-à-dire qu'il va falloir que je vise d'abord. Parce que du coup, je vais avoir des vis qui vont traverser ici. Ah oui, carrément, avec 11 quoi. Bon, je sais même pas ce que c'est ça. Ah bah, il n'y a même rien dessus, là, sur celui-ci. 2RS. Ah bah, j'en ai pas du 2... J'ai peut-être pas du 2RS. Attends. Non, ça, c'est du Z, ça. Du Z tout court, ça. Axe rigide plus roulement dans des paliers sur les boîtiers. Non. Non. Là, le roulement, je vais dans la roue. Attendez, je vais faire le roulement. Mettons, le roulement, il va faire ça. Voilà. On va faire le roulement. Voilà. Bon roulement. Pas du tout à dimension. Donc il y en a un d'un côté, il y en a un de l'autre. Boum, 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 boum. Voilà. C'est pas les mêmes. On va faire un axe. Voilà. Et donc. J'ai des vis qui passent à travers, mais il faut quand même que ça, ce soit pris à un endroit, quoi. Donc, je suppose qu'il va falloir faire un truc dans le genre, c'est-à-dire, hop. Chose comme ça. Voilà. Je fais ça pareil des deux côtés. Voilà. Et fixer du coup avec nos vis. Il y a qu'ici, il faut que je mette des vis tête fraisée, a priori. Et ici, un insert en fait. Insert. Vis tête fraisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas du tout à l'échelle, mais... Et donc du coup, là il y a d'un côté, et de l'autre côté, on vient mettre on vient faire notre... faire notre poulie quoi. Voilà, un peu comme ce que j'ai fait. Ouais, faut pas oublier la poulie, ouais. Bon, l'un côté ou de l'autre, là, je sais pas trop. Hein. Ça me semble être pas mal. Mais est-ce que ça passe ça? Est-ce que ça passe? Parce que notre roue ici, elle va avoir un diamètre 12. Nous on a 8. Si on essaye de le faire à dimension. Voilà. On va le faire ici. Il n'y a pas pour mettre une courroie, si, ici, la poulie, qui vient se mettre autour. Ok, donc ça va rouler sur la poulie. Quoi? Ah mais non, mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, j'ai pas fait toute la modée. Voilà, alors si vous voulez. Voilà. Ah là là. Ah là là.
J'avais fait une. Voilà, une vue de détail si vous voulez. C'est Véledacad, hein, les gars. Hein. On se calme. Hein. Voilà. Voilà. C'est bon? Ça va mieux là? C'est juste que ça me prend de la place pour rien. Voilà. Alors regardez, regardez. On va faire un truc. Voilà, parce que. Ah, je me rends compte. Hein, je me rends compte que. Voilà. Donc ça. C'est... Est-ce que ça vous va là, si je fais ça, pour dire que c'est une vue? Les traits, ils sont pas droits. Ils sont trop chiants. Donc là, on a 12 mm à l'intérieur. Je vais réutiliser les mêmes codes couleurs, parce que sinon, après, ça va gueuler. Voilà, donc marron. 12 mm. Voilà. Ok. C'est fou ça, hein. C'est fou, j'ai engendré des monstres. Les trous sont à 21. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 21. On va faire des diamètres si vous voulez, parce que sinon vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Salut Almisuif, bonne soirée à toi. Et je vais la faire. Il n'y a pas assez de lumière. Demain avec un peu de kickade. Ah bah ouais, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. Demain ça va être. Ça va être encore une journée un peu étrange, mais j'aimerais bien, ouais. Salut Ifrit. Ok. Je vais faire un roulement. Donc. Parce que le roulement il fait 22, donc ça veut dire que je vais être. Le roulement, il est en violet. Voilà, je vous arrête tout de suite, le roulement, je vais le faire comme ça. Et voilà, et donc du coup, c'est là où on a un souci. Voilà, c'est là où je disais qu'il allait avoir des problèmes. Oh, merci Batmac, bienvenue à toi. 22 mm le roulement. Ça veut dire que je vais tomber un tout petit peu au-dessus, là. 0,5 mm du centre des roues, ça veut dire que... ça veut dire que si je mets une vis, faut quand même que je puisse faire passer la tête. Donc d'un côté c'est pas grave parce que j'aurai un insert, mais il y a un autre côté où ça va être un petit peu compliqué. Et puis pourquoi tu utilises une planche à dessiner, t'as pas un logiciel de CO? ça serait drôle. J'ai raté le début du roulement, mon esprit s'est égaré, c'est impossible de mettre les roulements dans les spacers, axe fixe et couronne dentée pour l'entraînement. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, Ifrit. Le seul truc, c'est que je ne peux pas mettre de roulement à l'intérieur, parce que j'ai prévu de mettre des roulements de des 628. Ou alors, ça veut dire qu'on change de roulement pour pouvoir les intégrer dans les bagues intérieures. Parce que là, effectivement, ce qui se passe, c'est que 22, c'est pas possible. 22, c'est pas possible. Et je crois qu'effectivement, on va être obligé de faire ça. Salut Manu, tu t'en balances, la tête de vis est sous le roulement. Bah non. Enfin, si. Si je veux. Vas-y, je modélise la tête de vis. Voilà. Comme ça. Mais mon roulement, il faut bien qu'il soit maintenu. Si je veux le faire avec une seule pièce. C'est embêtant. Moins de taille en roulement, après ça va réduire ton axe. Enfin, je pense qu'on peut peut-être trouver un roulement qui soit pas de 22 mais qui soit un peu plus petit et qui passe à l'intérieur, mais enfin ça va commencer à être chaud. Ou alors ce qu'on fait, c'est que la pièce, effectivement, je veux pas réussir à la faire en découpe, mais en gros, si je fais son profil, je peux avoir 22 ici. Et là où j'ai besoin de trous, je fais ça. On peut faire ça. Voilà. Ça pourrait marcher. Voilà. Comme ça, le roulement, il est pris là. C'est pas optimal, mais bon, pourquoi pas. Et ça marche.
Julien Roche, t'as encore de la place entre la vis qui maintient. Entre les vis qui maintiennent ton roulement. Ouais, bah du coup, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on va partir du coup sur cette solution là, quoi. Donc ça veut dire clac, clac. Voilà. Voilà. On pose dessus. Puis bon, là, il y a un endroit où forcément ça va revenir dessus. Voilà. Eh ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc, 22. Ça, j'ai les cotes. Et puis, alors, par contre, faut que je décide de combien. Merci, Kerwana. L'axe va faire combien? 8 mm. Merci, Spyway, et bienvenue. Du coup, ça, il faut que je définisse combien. Et je peux pas aller trop loin. 28 mm. Waouh, c'est court, hein. On va essayer de le modéliser. Le raid des élèves. Ah. Merci, Opfun. Le raid de mes élèves. Bienvenue, attends. C'est pas... Ouais, c'est ça. Déroulement à aiguille, ça passe. Ah, ça passerait. Oui, ah, d'accord, ok. Eh ben, merci. Bienvenue à vous. C'est la première fois que vous passez ici. Déroulement à aiguille, ça passerait. Eh, on peut essayer de le faire, parce que j'en ai plein des 628. Si ça marche avec des 628, je suis très content. Si ça marche pas, bah, je change un roulement. On va essayer de modéliser ça, on va voir ce qu'il nous reste comme place, là, parce que j'ai du mal à me représenter ce qu'il nous reste comme marge. On va le faire sur un... sur une pièce à côté, histoire de pas pourrir notre truc. Comme ça, on fera un assemblage après. Je vais garder mon plan là. Ça, on l'enregistre. On le régénère, on l'enregistre. Et on va le fermer. Je veux le fermer, j'en ai pas besoin. Hop, on va créer une nouvelle pièce. Non. Pourquoi tu crées un groupe? N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, on crée un corps. Salut, Luxlayer. J'embauche tôt. tu embauches demain? Bah, de rien, à toi. Merci, bonne soirée. Ça a l'air cool, et bah écoute, tout à fait. Pour une fois que j'ai pas des, des yeux sur la main ce soir-là, c'est fricade. Alors, on va créer une esquisse, on va l'orienter correctement, on va se mettre dans ce plan-là. Voilà, alors on a dit quoi? On a dit. On va faire une première partie de la pièce, ça c'est notre axe. On va mettre du... Alors, faut que ça tourne quand même. ...12 mm, c'est parfait, hein. 12. Ok. Version... Ouais, effectivement. Il y a... si tu tapes la commande ref ou contexte, dans le chat, il y a toutes les, tous les liens vers les logiciels, vers ce qu'on est en train de faire et tout. Ça sera commis dans le repo GitHub. Bah, je pense que je vais le faire, ouais. Généralement, je le fais dans le GitHub des Caribous, donc de l'équipe de robotique. Mais là, honnêtement, je pense que je vais le faire directement dans le Barba. Ou alors, je vous donnerai le lien d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas. Je trouve pas Barba sur LinkedIn, t'en as. J'ai pas de LinkedIn, non. Hippo. Ou si, un vieux truc, mais que j'utilise pas du tout, quoi. Ah, t'as des roulements aiguilles, là. Ouais. J'aime bien les cookies. Allez, hop. Ouais, ça, ça pourrait le faire. Il y a combien? 8. Diamètre extérieur, 12. Ah, non, si, ça pourrait aller. Épaisseur, 10. Ouf. Ah oui, c'est genre, là, ça, celui-là, c'est mon spacer, quoi. Mais oui, ça pourrait le faire. Il est à combien? 1 euro. Ouais, ça se tente, hein. Écoute, attends, on va essayer de voir ce que ça donne avec le 628. Si ça marche pas, on partira sur cette solution-là.
C'est qui va pouvoir parler de ça? Ouais, c'est Momoto, ok. Alors, on a dit combien? 28? Moi, je pense que ça va être un poil court d'intégrer ce genre de roulement dedans. Je suis en train de penser, je psychote, j'arrive pas à faire une page. Ah ouais? Si. Je suis sûr que c'est largement faisable pour toi. Allez, disons 10. Voilà, si on fait 10, on repart de l'autre côté. Maintenant qu'on fait notre ouverture à 22, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va nous rester comme marge? Oh la vache, ça c'est notre roulement, ça c'est notre extérieur. Ok, vas-y, on est, on se dit que c'est bon. On le tente. Alors c'est combien? C'est 7. Voilà, inversé. Nickel. Voilà, là c'est bon. Bon, maintenant, on reprend notre plan et on va faire notre roue. Attends, faut pas que je perde ton roulement aiguille, là. Alors. Donc c'est du M3. Non, je fais toujours un tout petit peu plus, on sait jamais. Oh la vache, c'est bien grand. Et combien on a dit? Il est sur un diamètre de... bah c'est 21 par 2. Ok. Comme ça, ça reste. Voilà, nickel. Ah, il nous reste pas beaucoup de marge, hein, parce que là... Ok, ça c'est mon trou. Si je le creuse... Je pense que ce serait vraiment plus simple. De toute façon, il faut vraiment que je le fasse dans tous les cas, cette pièce-là, pour pouvoir mettre la poulie, mais à mon avis, ça sera beaucoup plus simple avec le avec les roulements en roulant. Oui, Cador, oui, effectivement, tiens, la nouvelle version, ils ont réglé le problème du clic. Ils sont revenus en arrière sur Python, je crois, et maintenant, il y a moins de soucis. Et là, tu vois, j'ai pas eu de soucis pour l'instant, donc c'est plutôt cool. La version... Attends, je suis sur laquelle, moi? Attends, je vais te dire ça tout de suite. À propos de FreeCAD, c'est celle du 11, donc c'était il y a 4 jours. 11 mars. C'est la dernière. C'est celle qu'il a sortie, que j'ai téléchargée aujourd'hui, à moins qu'il en ait sorti une autre aujourd'hui. Pas le repos, les caribous, caribous venus l'inter... Bah non. Eh ben non. Supporte plus de charge, mais la vitesse max est moindre. Ouais, mais genre, on l'atteindra jamais, à mon avis. Il faut trouver une solution pour la pouille. Bah ouais. On avait plein de focus sur les clics. T'as essayé la nouvelle? Non, 11.03. Elle est gratuite, la licence FreeCAD. C'est libre et open source, du coup. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu as deux vidéos tuto sur FreeCAD. Et tu as FreeCAD France qui est dans le live, très cher, qui fait des lives aussi. Je vous encourage à aller suivre, qui fait plein de lives maintenant sur FreeCAD, donc c'est plutôt cool. Ah, ils disent de la merde dans le live. Dans le chat. 0803. Je vais mettre à jour. Ouais, mets à jour parce que la 0803 c'était l'enfer. Et alors attendez, parce que là du coup. Ok. Non, c'est pas. Mais du coup, c'est pas cher du tout. Hein. C'est pas cher du tout parce que c'est gratuit en fait. C'est quoi la taille de vis, ça? Hop. Le 6. Ouais, 6, c'est mort, ça passe pas. 6, hein. Je vais être pile sur... Voilà, il me reste pas grand-chose. Hein. Je savais pas que tu... Live effray... Mais tu sais que ça. Si tu veux une licence, je t'envoie mon rime. Ah, les filous.
Alors attendez, on va enlever ça jusqu'au premier verset. Bon, jusqu'à la face. Voilà, voilà. Ah, il me reste pas beaucoup de grains. Hein. Voilà, c'est. C'est pas foufou, hein. Bon, là par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis à l'intérieur de cette pièce-là. Je peux déborder un petit peu. Je sais pas si Ness est encore là. Mais si on avait la... Ben non, attendez. On l'a normalement la modée. Je peux l'ouvrir. Mais je me dis que... Où est l'aluminium? Non. Ah, Omniwheel. Il est là, je crois. Ouais. En fait, c'est... Je sais pas combien j'ai de marge ici, en fait. Je vais le mesurer. Alors. Je me demande s'il faudrait pas que je prenne l'outil là et que je le foute autre part. Parce qu'il a l'air trop bien cet outil là. Mais je sais pas comment il va mesurer ça. Genre si je fais ça. Jusque. Je n'en sais rien jusque là quoi. Qu'est-ce qu'il va mesurer? Ah! Oh! Oh, mais ça marche super bien! Eh ben. Ah bah très bien, et eh ben attends, sélection 2. Du coup entre là et là, combien t'as? 2 mm. Mais c'est trop, il est trop bien cet outil de mesure là. Oh là, ça va tellement me sauver la vie. Donc ça veut dire que j'ai un peu de marge. Je vais faire un truc très dégueulasse, tant pis. Tant pis. Est-ce que je peux. Ouais. Ah, il veut pas me le prendre. Hop. Voilà. Donc là, normalement, je suis à 32 mm. Ok. Fermé. Et donc, mon idée, ce serait d'augmenter, mais voilà, jusque... Voilà. Là, comme ça, ça vient se mettre dans le cran, là. Dans le cran qui est là. Ah, par contre, profondeur, tu me l'avais donné, Ness, mais j'avais oublié. Ah, il veut pas entre les deux faces. Ah, de là à là, il me dit quoi? Ah non, c'est une distance. Ah oui, il faut que je lui dise quelle distance, etc. Merci Matador. Oh là mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Raid. Oh là là. J'avais pas vu Vicky Live qui lance un raid avec 114 personnes. Merci mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Ouh là 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 là. Eh ben écoutez, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouh là, vous êtes en train de flouder le chat. Comment ça va? Comment ça va? Il était pas prêt, j'ai pas vu. Mais non, j'entendais plein de poètes. Je me dis, tiens, il y a des gens qui arrivent, c'est rigolo. Un vin. Et bah merci, Vicky. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça bricolait, là? Oh là là, il y a du monde qui s'abonne. Merci beaucoup. Merci 780 marques, j'en ai oublié. J'en ai oublié. Oh là là là, ça fait très plaisir. Alors, qu'est-ce que vous bricoliez avec Vicky? T'as un raid d'émoticons. J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression. Oh là là là. Puis vous êtes nombreux, hein. Eh ben bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On parle les culs. Ah bah écoute, ça fait plaisir aussi. écoutez, nous, on fait de la robotique. Et on est en train de modéliser une petite roue holonome pour nos robots de la Coupe de France de robotique. Tranquille. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une roue holonome, ben écoutez, je n'en ai pas en vrai. Mais globalement, ça ressemble à ça. Voilà.
et on va fabriquer, on est en train de commencer la conception d'un robot qui va utiliser ce genre de roue et on dirait, voilà. Ah oui, d'accord, ok, demande en variage et tout, ça marche. Elle a lieu quand la Coupe de France de robotique? Elle a lieu en mai, si tout va bien. Voilà. Si tout va bien, elle a lieu en mai. Ah, il y a du monde en tout cas. Ah bah merci Vicky, merci de me suivre, bienvenue. Ça prend combien de temps à construire un robot en moyenne? Bah écoute, en fait, c'est des robots. En général, on a le sujet du règlement. J'aime bien le chat de l'enfer à côté là. On a le règlement en septembre de la compétition. Et septembre-octobre. Et normalement, on a jusqu'à mai pour fabriquer un robot. Mais comme les robots sont globalement toujours un peu les mêmes, enfin, on peut reprendre la même base et l'améliorer pour les années suivantes si on se débrouille bien. C'est assez difficile de te répondre. Tu vois, il y a des gens qui passent plusieurs mois, voire même des fois plusieurs années, pour réussir à faire ce qu'ils veulent en termes de projet. Et il y en a certains, ils font le robot genre le jour de la coupe, quoi. Donc, il y a les deux, et nous, nos robots, ça fait plusieurs années qu'on est dessus, mais on n'est pas dessus tout le temps, on fait d'autres projets, voilà. Mais c'est ça se compte par on est d'accord que ça se compte plutôt en centaines d'heures quoi pour le coup. Donc on sait bien moteur brushless. Ah cool. Un moteur brushless ça va faire plaisir à Ness. Salut Vicky, merci énormément pour ton raid et puis bisous et puis bonne soirée à toi, bonne nuit surtout. Salut. Non, un peu toujours les mêmes. Lapsus révélateur. Non, c'est juste qu'effectivement, au fur et à mesure des années, tu vois, tu gardes un peu ton archi, quoi, c'est un peu logique. Enfin, t'essayes en tout cas pour essayer de gagner du temps, parce que sinon, refaire tous les ans la même chose, tu vois, refaire une archi où tu refais de la propulsion, etc., ça se fait, hein, mais c'est très lourd, et faut avoir le temps de pouvoir le faire. 1 à 2 mois max, si j'ai bien compris. Ouf, non, parfois plus que ça. Ça dépend. En fait, le truc, c'est que. Il y a des groupes qui arrivent avec 3 bouts de ficelle, et il y en a d'autres qui arrivent avec des technos de dingue, et il y en a certains où ils sont 20 ou 30 dans une équipe, et il y en a d'autres où ils sont que 2. Donc t'as des grands écarts, si tu veux, en termes de temps de fabrication, de conception, etc., qui sont assez fous, quoi. Donc c'est un peu difficile. Mais Holonome, c'est le type de robot, mais c'est bien des robots autonomes. Oui, ah oui, parce que effectivement, merci Rosaline. Les robots de la Coupe de France de robotique sont des robots qui sont autonomes, donc qui se démerdent tout seuls sur leur terrain. Après, on fait d'autres robots, notamment des petits robots de combat, et où là, c'est radio guidé. Donc c'est plus la même chose pour le coup. Salut Francky, bonne nuit. Ah, c'est plus obligé, plus c'est fragile. Non, reste. Merci Zombie Unijambiste. Merci à tout le monde. J'ai pas vu tout le monde passer là, mais ça fait plaisir. Qu'il est pas comme... Ah oui, d'accord, ok. Écoute, Matadora, effectivement, Holonome, ça veut juste le type de roue en fait. Voilà. C'est ces roues là. Et nous, on est sur une. Voilà, je peux vous montrer hein, les robots. Hein. On est sur quelque chose de traditionnel pour l'instant avec nos robots. Actuellement, nos deux robots, ils ressemblent à ça. Voilà, donc c'est des robots juste avec deux roues. Voilà, et l'idée qu'on a, c'est de changer un peu, pour l'année prochaine, cette base roulante, qui fonctionne très bien, et de tester un nouveau type de roue, pour avoir des déplacements un petit peu particuliers, un petit peu différents de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Un streamer qui fait de la robotique, je follow. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Ah, c'est toi qui l'a choisi. Les lance-flammes sont autorisés, pas à la Coupe de France de robotique, mais dans les combats de robots, dans certaines compétitions, c'est autorisé. À la Maker Fight en France, non, pas encore, parce qu'en fait, c'est une compétition qui est plus restreinte. Donc, ils font attention quand même à avoir des choses qui sont pas trop dangereuses pour le public, parce qu'ils n'ont pas aussi non plus la possibilité de tout sécuriser, ce qui est normal. Donc, voilà. Mais par contre, tu peux taper, tu peux scier, voilà. Ça, c'est la Maker Fight. Pour vous donner
Maker Fight, voilà, les robots qui se combattent, voilà, Coupe de France de robotique, c'est pas la même, du coup, image, vite fait, voilà, c'est des robots autonomes, voilà, qui vont effectuer des actions, qui vont manipuler des objets, etc., etc. Merci Laxup, merci Bubule. Comme des boîtes à chaussures, mais sans les chaussures. Il y a une vis qui se balade dans le bousin. Ouais, en fait, c'est les vis qui sont sur les rails qui me permettent de refixer les choses. Donc c'est pour ça que ça fait gling-gling. Alors, attendez, j'essaie de rattraper. C'est des roues qui permettent des translations tout azimut sans système de direction mécanique. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Ça, c'est roule. J'ai dû voir ça à la télé. Ouais, à la télé... Alors, dans les zappings, t'as dû voir les combats de robots, et à la télé, il y avait la compétition E égale M6 il y a quelques années, et qui a continué sur la Coupe de France de robotique qu'on connaît maintenant, effectivement. Mais effectivement, les combats de robots, il y a que Maker Fight en France pour des gros robots de 20 kilos, et après, c'est dans d'autres pays, effectivement. Rosaline, c'est quoi le but? Ah oui, bah voilà, bah du coup, Rosaline vient de t'envoyer le lien vers la Coupe de France de robotique et tu vas voir, il y a tout le règlement dedans sur ce qu'il faut faire cette année. Cette année, c'est ce règlement-là, du coup. On doit manipuler des bouées représentées par des gobelets. Ouais, il y en a partout. Au Japon, aux USA. USA, c'est de la boucherie. Ouais. Le thème de cette année là, c'est ils sont bien balèzes cette année les robots de combat aux USA. C'est assez impressionnant pour le coup. Mais ça fait bien plaisir. Hein. J'ai un peu suivi par rapport à d'autres années. Je trouve que ça se combat bien mieux et il y a beaucoup d'inventivité dans la fabrication des robots. Et il y a un robot avec des roues mécanum, donc des genres de roues holonum cette année, en compétition de robots de combat, quoi. Et c'était, je pense que pour moi, c'est la première fois que j'en voyais un. Mais c'est peut-être pas la première fois dans la compétition, je sais pas. Mais il est très très bon. Je le trouve très très bon et très très solide. C'est assez étonnant. Deleza, c'est un boulot de dingue. Ah oui, bah tu m'étonnes. Déjà, on est où à peu près? Et bah là, l'Axup, en fait, on a deux robots, on a deux bases roulantes. Il faut juste que je les synthétise pour avoir les deux mêmes. Globalement, mécaniquement, on a quelque chose qui tourne. Donc, on est plutôt serein. Le code, on a le code de l'année dernière, mais on est en train d'en refaire un nouveau. Donc, voilà, on roule sur des trucs qu'on a déjà fait. Et là, par contre, sur le robot Holonum, on commence ce soir. Voilà, là, c'est from scratch, mais ça sera pas pour cette année, pour le coup. Civis, pas 5. Ah, merci. Oui, c'est 6 roues. Attends. Ouais, c'est 5 rouleaux et 6 vis. Du coup, je me suis mélangé les pinceaux. Merci. Là, vous êtes... Vous regardez ce que je fais, c'est beau. Même moi, je regarde pas ce que je fais. Combat de rongeurs. Ah oui, dans Kaamelott, ouais. Ça aussi, vulgairement, des roues suédoises, effectivement, ouais. C'est des roues suédoises. Alors, si tu sais pourquoi, moi je veux bien connaître la raison, mais on n'a pas réussi à trouver. Salut Kamalash, curieux de voir son concours, j'avais participé il y a un paquet d'années. Ah oui! Ah oui, du coup, c'était il y a un petit moment. Salut Momout! Il est très bien hein, ce logiciel, c'est FreeCAD. La version de Real Thunder, donc une version un peu modifiée, un peu beaucoup modifiée, de FreeCAD. Et non, il fonctionne très très bien. C'est un très très bon petit logiciel. C'est pas un .4 ou .3 du coup? Ouais, c'est bon, ça a marché un .3. Ça va peut-être à l'origine d'organismes cybernétiques. Non. Mon collègue qui code peut-être. Mais moi ça va, je suis un gentil lapin moi. Chance Vador, ref et contexte, si tu veux avoir le lien vers le truc, tu vas tomber sur cette page-là. Pas du tout, je vais la retrouver. Cette page-là, et il y a le lien FreeCAD version Real Thunder ici. Voilà. Et si tu vas sur ma chaîne YouTube, j'ai expliqué comment l'installer et comment le modifier pour avoir la même chose que moi, du coup. Peut-être pour les mêmes Ikea. Ah, non, on y a pensé aussi, là. Les roues ont été inventées par le Suédois. Ah, alors en fait, c'était Mécanum. Ah, c'est drôle. Parce que les roues Mécanum, du coup... Attendez, est-ce qu'on parle de la même chose pour les roues suédoises, alors? Parce qu'on n'a pas tapé ça. Roues suédoises. Eh ben non, alors du coup,
C'est une roue holonome, c'est pas une roue suédoise. Et du coup, on s'est planté tout à l'heure. Si on tombe sur la même chose, en fait, j'ai l'impression. Une roue thrombosphérique, j'avais pas encore vu. Parce que les roues Mecanum, du coup, le nom de la marque, c'est ces roues-là, pour le coup. Wikipédia, merci. Roue Mecanum. Ah, du coup, c'est pour les roues Mecanum, les roues suédoises. Ok. Ok, ok, ok. C'était encore le concours Game 6 à l'époque. Ouais, du coup, ça date. 4 dans l'équipe, donc on n'est pas allé très loin. Ouais, tu sais, nous, on est 2-3 dans l'équipe. Ça nous empêche pas de finir dans les 30 premiers. Hein. Alors, quand on a de la chance. Vous situez sur Linux, il y a même une app image. Ouais, exactement. Il y a une app image. Ça permet de faire la mise à jour automatiquement. Et ça, c'est vraiment cool. Sont toutes des Romy. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. J'ai pas bien compris sur le site cette année. C'est quoi le but? Alors. Bon, je vais quand même réexpliquer alors, du coup. Ah, du coup, j'ai perdu le. Très rapidement. Voilà. Très rapidement, comme d'habitude à la Coupe de France de robotique, un terrain de 2 mètres par 3, deux équipes qui s'affrontent, des robots autonomes, 1 minute 30 pour pouvoir faire l'intégralité des actions, arrêt automatique et évitement de l'adversaire automatiquement également. On peut monter jusqu'à 2 robots par équipe, voilà, de chaque côté, donc ce qui donne un total de 4 robots maximum sur la table. Et là, cette année, le principe, c'est d'avoir des éléments de jeu rouges et verts représentés par des gobelets, de les prendre et de les ramener dans son port, de les mettre, si possible, de les trier en fonction de la couleur. Voilà, il y a des lignes vertes, donc il faut mettre les gobelets verts sur la ligne verte, les gobelets rouges sur la ligne rouge. De faire créer un chenal, voilà, comme en navigation. Et donc on a des ports ici, on a des ports là, etc. Et du coup, il y aura un cumul de points en fonction de ça. Ce à quoi est également rajouté... alors des gobelets, il y en a des, oui, aussi dans un sens et dans l'autre aussi, donc il faut pouvoir les prendre dans les deux sens. Il y a aussi d'autres actions, qui est lever les pavillons, là, ici. Enfin, lever les manches à air, voilà, je vais y arriver. On peut aussi lever des pavillons sur son robot. Voilà, comme ici. On a un petit pavillon à l'intérieur. Et à la fin du décompte, hop, on dresse le pavillon. Voilà, vous avez dû... Ça a dû s'entendre dans le micro, ça a dû être dégueulasse. Et... vous pouvez lire aussi la girouette pendant le temps de match. Et du coup, vous positionnez sur ce qu'elle indiquera, donc nord ou sud, avec vos deux robots. Donc ça veut dire qu'à la fin, si c'est positionné sur nord, que les robots lisent nord et qu'ils se mettent sur la zone nord, ils ont des points en plus. Et on peut aussi faire un phare. Voilà, c'est un élément qu'on peut rajouter ici. Les robots vont activer le phare en appuyant dessus, en le touchant. Et le phare doit se lever et avoir une lumière oscillante qui éclaire le terrain. Très rapidement, j'ai essayé de résumer, j'étais pas prêt. Tout ce qu'il faut faire. Et merci Mixu, y a une présentation plus précise. Dans le virus, tu introduis dans les prises de charge. Tu introduis dans les prises de charge, fonctionne surtout. Extrait avec un robot holonome. Ah, est-ce que j'ai le droit de le. Ah oui, extrait de la coupe. Ah super. Ah bah oui, je le connais ce robot. Tiens, tiens, monsieur Alex. Voyez, là il y a un robot holonome. Ici, donc ça c'est la compétition qui a eu lieu en octobre, du coup j'ai un doute. En novembre, pardon. Voilà, vous voyez, hop, zou. Vous voyez bouger, donc du coup il peut tourner sur lui-même, mais il peut aussi se déplacer latéralement. Voilà, c'est ce qu'il va faire ici par exemple. Donc ça c'est ce qu'on est un petit peu en train de faire ce soir. Enfin, qu'on commence. Voilà. Voilà. Pour ce petit résumé de la Coupe de France de robotique. Et moi, je vais quand même revenir sur les coups. Ah oui, c'est un des coups de Red Télé-Estime. Voilà, Télé-Estime, l'équipe d'Alex Ness, voilà, qui nous a partagé la vidéo, et de Super Balou, qui est peut-être aussi encore dans le chat. C'est des petits robots, ouais. C'est pas des gros gros robots pour le coup. Bon, alors notre map moyeu là. Écoutez, ça marche pas trop mal.
Ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. Donc ça veut dire que ça, hop, ça va être fixé sur les côtés de la roue. Et après, je vais avoir mon roulement à l'intérieur. Bon. Je vais l'enregistrer. On va tester un assemblage. Voilà. Je vais linker l'Omni-Wheel. On va voir ce que ça donne. Nickel. Et le body, on va le transformer. Voilà. Ah oui, par contre, il n'est pas orienté correctement. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'oriente pas? Oh, je sens. Ah, le truc pourri, c'est qu'ils ont pas mis les. Ok, d'accord. Les perçages sont pas alignés. Bah, attends, c'est pas possible. Il y a un problème sur la modée ou quoi? Pourquoi c'est pas orienté correctement? Pourquoi j'ai un. Il me manque quelque chose là. Je me suis planté sur la modée, alors attendez. Bah oui, attendez, vous lisez bien comme moi. Si on regarde le plan là, les trous de perçage ils sont bien à 21 là en diamètre. Oh là là, c'est un robot capable de tout faire ou tu te concentres que sur certains points? En général, on se concentre que sur certains points pour le coup. Faut les unités pièces ou tu vas les faire en impression 3D? Impression 3D et découpe laser. Du coup, je peux faire ça chez moi, c'est plus simple. Un peu chaud le codage pour les déplacements. Bon, non, ça va se faire. Ça va se faire. C'est pas le truc qui me fait le plus peur pour le coup. Salut Nico, bonne nuit à toi. Règne de diamètre sur l'un des deux éléments. Diamètre des perçages, bah ouais. C'est pas exclu que l'erreur vienne de mon modèle. Ah ah! Parce que c'est un modèle que t'avais récupéré ou c'est un modèle que tu as refait toi? J'ai mesuré comme j'ai pu. Ah mince! Du coup, c'est toi qui l'as refait. Et du coup, il y a potentiellement un. Ah mince! Donc, on aurait dû le refaire. On revient 2 heures en arrière. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, je le referai. Non, mais c'est ce qui est important, c'est de voir que là, c'est bon. Là, on est bon. On va voir un peu à quoi ça ressemble, quoi. Dix coups de feu. Non, mais non. Mais non. Pas grave. Au moins on a pu tester plus de trucs. De toute façon là il y a plein de choses que je vais devoir refaire au calme parce que là le but c'était de tester un petit peu l'intégration du truc. Hein. On va pas ce soir avancer là-dessus vu que tant que j'ai pas les roues en fait je peux pas modéliser, tester, faire mes essais. Je peux pas trop avancer en fait. Non là ce qui est intéressant c'est de voir que effectivement à quoi ça peut ressembler et est-ce que ça a l'air viable. Bon, ça a pas l'air trop dégueu. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura la même chose de l'autre côté. Voilà, on va recréer. On va le transformer. Voilà. Oula. Vu maintenant qu'on sait que. Qu'il faudra le refaire, je vais pas le. Je vais pas le positionner précisément, mais. Pourquoi il veut pas me sélectionner la flèche? Voilà. Donc ça veut dire qu'on va avoir les deux trucs qui vont faire ça, ici, et que sur un des deux moyeux, là, il va falloir qu'on mette la poulie. Et donc si on mesure tout ça, combien ça fait? Parce que c'est ça après qui est intéressant, c'est est-ce que notre moteur au-dessus il va dépasser ou pas. Alors, on va reprendre Assembly 4 là parce que le module pour mesurer il a l'air très très bien. Par contre, faut pas oublier, voilà. Si je fais entre ça et ça,
je vais me le noter. Donc 48,80. Et alors, je suis assez content là. Et vous allez voir pourquoi. Là ici, on a 48,80. Et si on va chercher le modèle du moteur. Il y a trop de trucs ouverts. Ah mon dieu, où est-ce que c'est? Voilà, on va aller chercher le modèle du moteur. Alors, non. Merci. Voilà, normalement il y a un plan qui traîne. Nickel. Voilà, le moteur il fait 42 mm. Oula, c'est tout petit ça pour vous. Attendez. Voilà. Donc le moteur il fait 42 mm. Et derrière, j'ai 20,6 mm en plus avec l'axe et la fixation. Du coup, si moi j'ai 48, ça veut dire que ma roue, ici, elle tombe pile au centre. Et donc, du coup, j'ai carrément la place pour mettre ma poulie, ma courroie et modéliser ce qui me reste à modéliser ici. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que mes dimensions sont pas complètement dégueulasses. Et donc, ça a l'air de plutôt bien se passer en termes d'intégration, quoi, pour le coup. Pourquoi 42 max? Alors là, tu me poses une colle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Surtout qu'en plus, moi, quand je les ai mesurés, j'étais à 41. Pour te dire... voilà. Je pense que ce qu'ils mettent, c'est qu'ils te disent que ça peut faire un petit peu moins, mais que ça fera pas au-dessus de 42, quoi, en fait. Alors, la raison de pourquoi ça fait ça, j'en sais rien du tout. Mais qu'ils te disent que ton moteur, il fera pas plus de 42 mm de profondeur. Quoi. Ah, c'est de la tolérance de fonderie. Ah bah voilà. Merci, Forceman. On me disait que c'était une question de tolérance, mais... Après... C'est avoir une tolérance dans ce sens-là, c'est intéressant. Ça veut dire que tu sais que tu peux ton moteur, il sera forcément plus petit. Donc du coup, si tu prévois 42,2, par exemple... pour monter ton moteur, et ben ça marchera dans tous les cas. En fait, tu pourras avoir un peu moins, mais pas plus en théorie. Et moi, je l'ai toujours mesuré à 41, tu vois. Donc comme quoi. Mais ce qui est intéressant plutôt, ouais, c'est ces cotes plus précises qui sont ici, parce que ton moteur, tu le fixes jamais à l'arrière. En tout cas, pas les NEMA 23. Attendez. Hop. Voilà. Si on prend un NEMA 23, donc celui-là, c'est pas le bon. Mais tu fixes jamais ton EMA 23 de ce côté-là, tu le fixes toujours ici. Et ici, si tu regardes bien, la différence d'état de surface. Et là, tu vois, il n'y a pas de reprise. C'est quasiment un brut. C'est même un brut, je pense. Et là, par contre, il y a une reprise, tu vois, c'est beaucoup plus lisse. Il y a eu une passe de fraisage, etc. pour être sûr que cette surface-là, elle soit bonne, voilà, par rapport à ton axe et à tout ce qui est à l'intérieur. Donc en fait, toi, tu vas te fixer forcément sur cette surface là, et ta surface de référence ce sera celle-ci, et c'est celle-ci qui est la plus importante par rapport à toutes tes cotes. C'est pour ça que si jamais tu regardes ton plan là, voilà, à partir de là t'as une tolérance. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu l'habitude de travailler avec beaucoup de fonderies, donc qu'est-ce que t'appelles précis en position, tu veux dire en positionnement? J'ai presque compris. Ah bah, hé hey. Je suis pas trop nul, alors. Bon. Les amis, je vous annonce un truc. C'est que je pense qu'il y a... Merci, GoPromat. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes ce soir pour continuer à modéliser un truc. En vrai, c'est plus simple que faire un gâteau. Vous savez que je suis nul en gâteau. Moi, je suis très bon en cuisine salée, machin, etc. Les gâteaux, je suis une quiche. Ah, grosse blague. Merci, Karl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je suis très nul en gâteau. Bref, faisons un Scrabble. Bonne nuit, frites.
Non, là, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que là, le modèle, il faudrait qu'on le remesure avec les pièces que je vais recevoir pour vérifier aussi que le plan qu'ils nous filent, il est bon, parce que je suis pas non plus sûr que leur plan soit bon. Il y a de l'incertitude sur les moteurs. Faut que j'en démonte un pour vérifier, mais je veux pas le faire avant d'avoir modélisé ça. Bref. Je pense que ça, du coup, je pense que continuer comme ça, ça sera un peu, ce sera un peu audacieux. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, parce que déjà, ça fait un beau live de, de 2h40, bientôt 3h, et où on a pu tester 2-3 trucs. Du coup, c'est quand même plutôt intéressant parce que on a compris. J'avais pas vu ce décalage là sur les roues de la Goliath. Et donc du coup, si on arrive à faire ça avec ces roues-là, ça, c'est hyper intéressant en termes de gestion de la roue. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la largeur... Donc il va falloir que je refasse les entretoises. La largeur complète de la roue, elle tombe à peu près bien. C'est là où il faudra faire les calculs, mais elle tombe à peu près bien avec la largeur globale de notre moteur. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite aussi. Mais du coup, il y a quand même pas mal de trucs à vérifier là-dedans. Bref, non, les quiches, je les jette. Les quiches, ça va. Les quiches, ça va. Voilà. Quiches en gâteau et en robot. Watch. C'est une demi-intro d'Yonim. Ouais, mais Yonim, il est beaucoup plus tenace que moi sur les lives. Et il live pas le dimanche soir. Non, avant, en vrai, on faisait des lives de 6 heures, mais je n'y arrive plus, malheureusement. Bref. Non, je pense qu'on a déjà bien avancé. Ce que je ferai, c'est que je vais faire la modée cette semaine. Je la partagerai sur le Discord. Je la partagerai très certainement aussi sur le... Je vais sauvegarder, oui. Sur la rediff et puis sur l'image de la rediff, parce que c'est plutôt cool. Non, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir quelqu'un à raider. Qui est-ce qui est encore en live ce soir sur Twitch? Est-ce que vous avez des propositions à me donner avant qu'on se quitte? Plutôt en sciences et tech, du coup. Et tant que ma page se charge, toi. Merci. Et oui, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Vous me proposez quoi là en raid pour le coup? Ah, le dimanche soir, c'est toujours un petit peu compliqué. Merci Matadora. Bonne nuit Forceman. Écoutez, il y a Alexandre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du Unity 2D. Alexandre 2BI. Qu'est-ce que vous en pensez? Recalbox. Ah. Il y a un live de Recalbox. Ah oui, tout à fait. Ah, ça peut être rigolo. Ah bah ouais, allez. Est-ce que ça vous va, Recalbox? Moi, ça me va. Ça nous changera un peu, on va faire un peu de jeux vidéo. Merci, merci, bonne nuit à toi. Hop. J'ai le Discord, cool, super. Tant que tu mets pas quelqu'un qui code, ça me va. Eh ben écoutez, on va faire ça sur Recalbox. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. C'était un gros machin hein, ce soir quand même, il y a eu beaucoup de monde. Très content de toutes ces nouvelles découvertes. Je vous laisse avec Recalbox, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à aller voir la vidéo qui est sortie aujourd'hui, ce soir, sur YouTube, sur la thermoformeuse. Et puis à suivre le Discord. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez connectés quand même, parce que la semaine prochaine, il se peut que le live soit décalé, que ça se fasse pas dimanche soir. J'ai très peu d'infos sur la fin de ma semaine. Donc ça va se faire un petit peu à la dernière minute. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre partout pour être au courant de tout ça. Ça sera mis aussi sur Twitch s'il y a un problème. Très bonne soirée, moi je vous laisse avec Recalbox. Bisous, bisous, salut !